Je vois que les tables ne sont pas remplies. C'est qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne. Ah ok, il y a des gens en visio. Okay. Oui, notamment, il y a ma vice-présidente en visio, je vois. Oui. D'accord. Bien, chers collègues, on va commencer. C'est bien, ça me rappelle quand j'ai été élu, il y avait autant de médias. Comme quoi la commission des finances attire les médias. C'est bien, il y a un sujet d'actualité. Bien, je suis content d'abord de vous retrouver toutes et tous. Il y a eu une première réunion de bureau, donc on a déjà été... On a échangé à quelques-uns, mais c'est donc un plaisir. J'espère que chacun d'entre vous a pu passer des bonnes vacances. On va en avoir besoin, je crois, vu le programme des semaines à venir. Je remercie Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, d'avoir répondu à la demande que nous leur avons exprimée mercredi dernier à l'issue du bureau de la Commission des finances d'être auditionné dans les meilleurs délais sur la situation budgétaire actuelle. Il s'agit en effet d'un contexte très particulier. Messieurs Le Maire et Cazenave sont ministres du gouvernement Attal et un nouveau Premier ministre ayant été nommé jeudi dernier, 5 septembre. Ce nouveau Premier ministre ne devrait pas tarder à composer... espérer en tout cas, à composer un nouveau gouvernement. Pour autant, la passation de pouvoir entre messieurs Le Maire et Cazenave et leur successeur du gouvernement Barnier n'a pas encore eu lieu. Et cela justifie que nous les entendions pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous devons préparer au mieux au sein de la Commission les différentes discussions budgétaires qui vont intervenir cet automne, que ce soit sur le projet de loi de finances pour 2025 ou également très probablement sur un projet de loi de finances de fin de gestion, voire rectificative, tant il semble que la fin de gestion 2024 ne pourra pas se passer d'un tel projet, d'après les notes de service de Bercy qui nous ont été communiquées en début de semaine dernière et que vous avez eues en votre possession. En deuxième lieu, le décret portant annulation de crédit publié au journal officiel du jeudi 22 février à hauteur de 10 milliards d'euros, combiné au gel de crédit décidé en début d'année, n'ont visiblement pas suffi pour assurer la régulation budgétaire infra-annuelle et insurgel, a été décidé par les ministres cet été, portant l'ensemble des crédits gelés à cette heure à plus de 16 milliards d'euros. Cela interroge sur la régulation budgétaire ainsi que sur les marges de manœuvre qui seront laissées au nouveau gouvernement pour l'exécution budgétaire 2024, voire il nous intéressera évidemment d'avoir les conseils des ministres actuels par rapport à ceux qui leur succéderont. En troisième lieu, les recettes fiscales sont moindres ce qui est espéré, alors même que, rendu moins optimiste en raison du précédent de l'exercice 2023, où l'élasticité des recettes fiscales à la croissance s'était révélée inférieure à 1, le gouvernement a établi pour 2024 sur une élasticité de 0,8. J'ajouterai comme sujet d'interrogation et d'inquiétude, mais j'y reviendrai également après les interventions des ministres, le différentiel largement annoncé par beaucoup d'entre nous entre les chiffres réels et les chiffres qui étaient dans le programme de stabilité sur les questions de déficit et qui sont évidemment considérables. Voilà autant de sujets d'interrogation ou d'inquiétude sur lesquels nous ne manquerons pas de vous interroger après, que vous nous aurez exposé vos remarques générales. Je vais vous passer la parole. Je ne sais pas, monsieur le ministre Le Maire, si on aura l'occasion de vous revoir dans cette commission. J'en doute, j'ai bien compris. Monsieur Cazenave, je ne sais pas non plus, mais je voulais vous dire que je ne sais pas si... Je ne sais pas. Oui, enfin oui, vous, on vous retrouvera de toute façon la commission dans un rôle ou d'un autre. Mais je voulais vous dire, Bruno Le Maire, que avant cette audition dans laquelle on va se dire des choses qui ne seront pas forcément en accord, le moins qu'on puisse dire, et vous savez que je n'ai pas de désaccord avec vous, mais que j'ai eu toujours du plaisir à vous recevoir, parce que notamment je trouvais que les échanges étaient des échanges argumentés, souvent loin des échanges de polémiques qu'on a pu avoir, même si je ne suis pas d'accord avec la politique que vous procédez. Donc c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, cher Charles de Courson, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, je ne vous cache pas mon émotion, puisque ce sera la dernière commission des finances à laquelle je participerai, après 35 auditions. 5 années passées comme commissaire des finances quand j'étais député. Et donc je vais vous dire le bonheur et la fierté que ça a été d'avoir participé à chacune de ces auditions. Et je voudrais vous marquer ma reconnaissance à vous personnellement, monsieur le Président, mais également à tous les parlementaires pour la qualité du travail que nous avons fait ensemble.
Nous avons eu évidemment, Monsieur le Président, des divergences et il n'a échappé à personne que Éric Coquerel n'est pas Bruno Le Maire et Bruno Le Maire n'est pas Éric Coquerel. Et c'est très bien comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Nous avons des visions économiques, financières, budgétaires différentes. Et je crois que pendant ces 7 années, nous avons pu les exposer de manière sereine, respectueuse, au service de nos compatriotes. Une fois encore, Monsieur le Président, je tiens à vous en remercier, merci, comme j'en remercie chacune et chacun des membres de cette prestigieuse et importante commission des finances. Notre situation des finances publiques, je pense que cela n'a échappé à personne, est le premier défi que devra relever le gouvernement de Michel Barnier, à qui je souhaite plein succès. C'est le défi le plus urgent, c'est le défi le plus difficile, c'est le défi le plus politique. C'est le défi dont tout dépend, car rien n'est possible sans des finances publiques bien tenues. Tout est possible si nous revenons à l'équilibre des finances publiques rapidement, si nous revenons sous les 3% de déficit en 2027, qui doit, à mon sens, rester notre objectif, et si nous tenons la ligne de réduction de la dépense publique, qui me semble la seule responsable au regard du niveau de dépenses publiques dans notre pays. Simplement, pour tenir cette ligne, cela suppose des choix clairs. Et donc je voudrais profiter de cette audition, en répondant à vos questions, Monsieur le Président, pour rappeler les choix que nous avons faits avec le président de la République et les différents gouvernements depuis 7 ans, pour inscrire cette question des finances publiques qui prête trop souvent aux remarques à l'emporte-pièce dans le temps long. Car il n'y a que le temps long qui permet de comprendre et que le temps long qui permet de prendre les bonnes décisions. On peut découper en fait en 3 phases les 7 années passées en termes de finances publiques. La première phase, c'est le rétablissement des comptes publics. 2017, 2018, 2019, et je rends hommage au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ainsi qu'à son remarquable ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler comme ministre des Finances. En 2016, le déficit public était à 3,8%. En 2017, nous avons ramené le déficit public à moins de 3%. En 2018, nous avons ramené le déficit public à 2,3%. Le 22 juin 2018, le Conseil européen a sorti la France de la procédure pour déficit excessif dans laquelle nous étions depuis plus de 10 ans. En 2019, le déficit public s'établissait à 2,4%. Comment sommes-nous arrivés à ce rétablissement des comptes en un peu plus de 2 ans? D'abord, soyons honnêtes, parce que le travail avait été engagé par le précédent président de la République, François Hollande. Et qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, des décisions avaient été prises qui permettaient d'amorcer le retour à l'équilibre. Nous avons accéléré ce retour à l'équilibre des comptes publics, dont j'ai été le garant et le réalisateur, en prenant 2 séries de décisions, un choc fiscal qui a été porté par la majorité dans le PLF 2018, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le début de la suppression de la taxe d'habitation, et par des mesures d'économie, parfois difficiles, je pense aux emplois aidés, ou je pense à la transformation des chambres de commerce et d'industrie, à qui je rends hommage parce qu'elles ont pleinement participé à cette transformation pour une économie de l'ordre d'un demi-milliard d'euros. C'est la première phase, 3 années dans lesquelles nous avons rétabli les comptes publics de la France. Le deuxième temps, c'est le temps des crises. Alors on les oublie, les crises, ça tombe bien, parce qu'effectivement, ça n'est jamais très agréable. Et donc, parfois, il est préférable de les oublier. Mais ce sont des réalités économiques et financières qu'il faut regarder de près. Ce temps des crises, cette deuxième phase, elle a duré 4 ans. De 2018 à 2022. Premier temps, ça a été les gilets jaunes, avec des demandes légitimes de meilleure rémunération du travail, qui ont conduit à des dépenses supplémentaires. Je pense à l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité, à la baisse de l'impôt sur le revenu pour 5 milliards d'euros pour ceux qui travaillent et à la mise en place de la prime Macron. La deuxième crise, c'est le Covid. Là aussi, on a oublié la brutalité du Covid. On a oublié que cette crise économique a été la plus grave depuis 1929, que jamais depuis 1929, hors période de guerre,
nous n'avions connu un tel effondrement du PIB, moins 7,5% en 2020. Eh bien, face à ces crises, nous avons fait un choix, la protection. Protection de nos entreprises, protection de nos compétences, protection de nos salariés, avec le prêt garanti par l'État, les aides d'urgence, l'activité partielle, qui ont effectivement abouti à une augmentation de notre dette publique. Il faut simplement qu'on fasse une comparaison intéressante. Quand on regarde la crise financière de 2008-2011, nous avons eu une baisse du PIB de 2,9%. Et la dette a augmenté de 25 points, de 65% en 2008 à 90% fin 2011. Dans la crise du Covid, nous avons eu un effondrement du PIB de 7,5% et une augmentation de la dette publique de 12 points. Pour résumer, nous avons dépensé deux fois moins pour une crise trois fois plus importante. Cette protection, elle était nécessaire, elle était efficace, et si c'était à refaire, je prendrais les mêmes décisions. Enfin, nous avons une troisième crise, l'inflation, avec la mise en place d'un bouclier tarifaire qui avait été décidé à l'époque par Jean Castex sur le gaz, sur l'électricité, qui nous a permis de mieux protéger nos compatriotes que la plupart des autres États européens, puisque nous avons eu une inflation globale, je parle bien globale, qui n'approchait pas les 15, 20 ou 25% qu'ont connu d'autres pays européens, même si, évidemment, sur les produits alimentaires en particulier, l'inflation a été particulièrement douloureuse et pénalisante pour nos compatriotes. Le bouclier tarifaire, l'aide au carburant qui était réclamée par tous ici, et même davantage que ce que j'ai mis en place, a coûté au total 55 milliards d'euros. Nous avons mis en place, pour faire face aussi à cette crise inflationniste, un projet de loi de finances dit pouvoir d'achat qui a été adopté en août 22, que j'ai ramené à 20 milliards d'euros, mais que les différents amendements des parlementaires avaient porté à plus de 40 milliards d'euros. Donc nous avons protégé avec efficacité. Je regrette d'avoir fait moins que ce que vous-même souhaitiez, mais ça me paraît difficile de me reprocher aujourd'hui d'avoir dépensé trop, alors que vous me disiez il y a 4 ans que je ne dépensais pas assez. C'est la deuxième période, période de crise, période de protection de nos entreprises et de nos salariés. La troisième période qui s'ouvre, c'est celle du retour à la normale. Et c'est, dans le fond, la période la plus difficile, parce qu'il y a une caractéristique française, c'est qu'une fois que nous avons dépensé, nous ne savons pas revenir à la normale et économiser. Quand vous regardez sur les 30 ou 40 dernières années, la grande singularité française, elle est là. Nous sommes incapables de débrancher les mesures exceptionnelles pour revenir à la normale. Eh bien, moi, je persiste et je signe cette troisième phase, celle qui s'ouvre depuis fin 2023, doit être marquée par le retour à la normale, la réduction des dépenses et le retour à l'équilibre des finances publiques. C'est ce que la France, je le redis, n'est jamais capable de faire en sortie de crise et ce qu'elle doit faire cette fois-ci. À cette fin, avec Thomas Cazenave, nous avons pris un certain nombre de décisions qui ont été largement commentées, largement critiquées, mais qui reposent sur un choix politique clair, revendiqué, le retour à la normale et l'équilibre des comptes. Première décision que nous avons annoncée tout début janvier, c'est le rétablissement d'une partie de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Cette taxe, elle est à 32 euros le mégawattheure depuis des années. Elle permet de financer l'électricité dans les DOM, les tarifs d'électricité en Corse. Elle permet de financer le chèque énergie. Donc quand on revient à la normale et que les prix baissent, ça me paraît justifié de rétablir progressivement cette taxe. Tout le monde ici, ou presque, a critiqué cette décision. Mais c'est une décision de retour à la normale. Nous avons relevé cette taxe qu'on avait mise à zéro pendant la crise, à 21, c'est-à-dire pas encore tout à fait les 32, ce qui permet d'économiser 5 milliards d'euros. Parce qu'on peut toujours se plaindre que les comptes publics ne soient pas bien tenus, mais il faut assumer les décisions difficiles qui permettent de les rétablir. C'est ce que nous avons fait. Première décision. Deuxième décision que nous avons prise avec Thomas Cazenave, le Premier ministre et le Président de la République,
c'est faire 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État par voie réglementaire. Cette décision, elle a été prise le 18 février. Elle a amené là aussi tout son lot de commentaires parce que nous touchions à l'aide publique au développement, à des crédits pour l'environnement. Mais les économies, il faut bien les faire quelque part. Il n'y a pas d'économie blanche. Toutes les économies portent sur des programmes de l'État ou des collectivités ou des dépenses sociales. Et il faut assumer les choix politiques qui sont faits. Nous avons assumé les choix politiques avec les parlementaires de la majorité de l'époque qui permettaient de faire 10 milliards d'euros d'économies dès février 2024. Nous avons annoncé le 6 avril dernier qu'il fallait, pour tenir nos équilibres de finances publiques, rajouter encore à ces 15 milliards, 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour porter le total des économies à 25 milliards en 2024. Nous nous sommes heurtés à partir de là à un certain nombre de difficultés. Elles ne sont pas insurmontables. Nous pouvons et nous devons tenir nos 5,1% de déficit en 2024. Et c'est tout à fait à notre portée. La première difficulté que nous avons rencontrée, chacun la connaît, et ce sera un point de convergence avec mon voisin de gauche. Le choix d'une loi de finances rectificative n'a pas été retenu. Chacun connaissait ma position sur le sujet, donc je le dis très tranquillement, très sereinement. Une loi de finances rectificative, qui avait d'ailleurs le soutien de beaucoup de parlementaires ici, aurait été préférable. Pourquoi ? D'abord parce que c'est plus démocratique, et surtout parce que c'est beaucoup plus efficace. En avril, ce choix n'a pas été fait. Donc nous n'avons pas la fiscalité sur la crime, elle n'est pas mise en place. Nous n'avons aucun moyen d'engager des discussions avec les collectivités locales, et les 5 milliards d'euros d'économies sur l'État sont plus difficiles à faire. Donc je persiste et je signe, je pense que la loi de finances rectificative aurait été une précaution utile et efficace. Deuxième difficulté que nous avons rencontrée et que vous avez soulignée, jusque fin juillet, les remontées comptables montraient que les recettes fiscales étaient en ligne par rapport à ce que nous avions prévu. Il y avait un peu moins de TVA, 400 millions d'euros fin juillet, mais un peu plus d'impôts sur le revenu, 600 millions fin juillet. Et nous avions tenu compte du risque d'avoir des recettes moins fortes en 2024, en mettant, comme vous l'avez rappelé, une élasticité des recettes à la croissance de 0,8. Là où, au cours des 30 dernières années, l'élasticité était systématiquement de 1 des recettes par rapport à la croissance, sauf en 23, où elle était de 0,4, qui est le chiffre le plus mauvais depuis 1991. Au moment où je vous parle, je vous confirme que les recettes fiscales pourraient être moins élevé que prévu, je le dis avec prudence, mais c'est un élément de contexte dont nous devons tenir compte. Enfin, troisième difficulté, qui là aussi n'est pas insurmontable, et je le dis tout de suite, je ne fais de procès à personne. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que tous collectivement, nous essayons de dégager un chemin qui permet de tenir les 5,1 en 24 et les 3% en 27. Je ne fais de procès à personne. Mais je constate, chiffres à l'appui, que les dépenses des collectivités locales sont dynamiques. Et Thomas Cazenave donnera tous les éléments là-dessus. Ce n'est pas une critique, on peut très bien dire que c'est très bien que les dépenses des collectivités locales soient dynamiques et que ça permet de porter l'investissement, des investissements utiles localement. Mais dans ce cas-là, il faut bien réduire la dépense ailleurs. Parce que si le niveau d'endettement des collectivités locales augmente, ben ça pèse sur le niveau d'endettement global de la France. Le risque, par conséquent, c'est d'avoir un déficit 2024 sur la base de ces trois difficultés, la loi de finances rectificative, les recettes, les collectivités locales, qui pourraient être supérieures aux 5,1 prévus dans le programme de stabilité. C'est une possibilité, ce n'est absolument pas une certitude, et je le redis, ce n'est absolument pas insurmontable. Vous avez la note des budgets économiques d'été. Cette note, elle vous a été transmise par souci de transparence. Je rappelle qu'elle n'a jamais été transmise sous la Ve République. C'est la première fois que nous la transmettons aux parlementaires. C'était une de vos exigences. Et tout ce qui permet d'améliorer la transparence, je le redis, ira, à mon sens, dans la bonne direction. Je précise simplement que ces notes des budgets économiques d'été ont systématiquement surévalué le risque de déficit par rapport à ce qui était réalisé. Donc c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Mais maintenant que nous avons ces alertes, et ces risques. Que faire ? Je vous donne mes recommandations. Je suis ministre démissionnaire, comme on dit aujourd'hui dans la presse.
c'est ma dernière audition à la commission des finances, ça me donne une immense liberté et beaucoup de sérénité. Je tiens simplement par amour pour mon pays à ce que les comptes publics soient bien tenus. Donc ma recommandation, vous la prenez pour celle d'un citoyen autant que d'un ministre démissionnaire, c'est de tenir ces 5,1, de rester sur une trajectoire de retour à l'équilibre en 2027 et de prendre les décisions nécessaires. Pourquoi ? Parce que si dans quelques mois, ce que je ne souhaite pas, vous avez une nouvelle crise sanitaire, une nouvelle pandémie, on sera bien content d'avoir des réserves financières pour faire face. Parce que si on laisse dériver les comptes, les taux d'intérêt vont augmenter. Et ce que ne voient pas aujourd'hui nos compatriotes, mais dont nous sommes responsables, c'est que des comptes publics mal tenus augmenteront les taux d'intérêt, donc les difficultés de financement de nos entreprises et les difficultés de logement de nos compatriotes. Enfin, la troisième raison, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être dans 2 ans ou dans 3 ans la lanterne rouge de l'Union européenne et de la zone euro. Et que nous avons tout sur la table pour ne plus l'être et pour revenir dans les clous. Ma recommandation, par conséquent, c'est de tenir les 5,1 et de prendre à cette fin un certain nombre de décisions. La première, c'est d'utiliser la réserve financière que Thomas Cazenave, dans sa très grande sagesse, a mis en place il y a quelques mois. Nous avons 16,7 milliards d'euros de crédits qui sont gelés. En fonction des résultats des remontées comptables sur les recettes, on peut annuler une partie de ces 16,7 milliards d'euros. C'est ma première recommandation pour tenir les 5,1. Ma deuxième recommandation, c'est de réunir rapidement le Haut Conseil des finances publiques locales que j'ai créé il y a quelques mois, qui rassemble tous les représentants des collectivités locales pour examiner avec eux, dans le dialogue, pas dans la contrainte, ce qui peut être fait pour éviter que ce qui est annoncé en début d'année se poursuive d'ici la fin de l'année 2024. Au passage, je dis que si on veut que les collectivités locales aient des finances publiques qui soient toujours mieux tenues, il faut aussi leur laisser plus de liberté. C'est ma conviction absolue. Plus de liberté pour les collectivités locales donnera de meilleurs résultats sur les finances publiques. Quand elles se voient imposer une augmentation d'un point, du point d'indice, alors même qu'elles n'ont pas leur mot à dire sur la rémunération des fonctionnaires, je comprends qu'elles se plaignent d'en avoir de liberté suffisante. Quand on leur rajoute systématiquement des contraintes, des règles, des normes qui ont un coût et qu'elles n'ont pas les moyens de les mettre en place, je comprends qu'elles puissent se poser des questions sur la bonne tenue de leurs finances publiques. La liberté des collectivités locales, recommandée par Eric Woerth dans son rapport, permettra de tenir les finances publiques de la nation. J'en suis convaincu, c'est ma deuxième recommandation, réunir le Haut Conseil des finances publiques locales. Enfin, ma troisième recommandation, c'est de mettre en place rapidement la loi de finances rectificative que j'avais proposée au mois d'avril dernier, et qui permettrait d'avoir des recettes supplémentaires. Si vous prenez la décision d'avoir une loi de finances rectificative dans les semaines qui viennent, ça permet de mettre en place très rapidement la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens, de mettre en place rapidement la taxation des rachats d'actions, et donc d'avoir un peu plus de recettes fiscales. Ces choix ne m'appartiennent pas. J'en laisse juge la Commission des finances et le gouvernement. Mais on voit très bien que, au moment où nous sommes, qui demande simplement de la lucidité et du courage, nous pouvons tenir les 5,1% de déficit en 2024. Nous pouvons et nous devons tenir nos 3% en 2027. C'est uniquement une question de choix politique. Merci, Bruno Le Maire. Thomas Cazenave. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, si j'osais, je dirais, chers collègues. Je vous remercie pour cette invitation à cette première audition de la Commission des finances sous cette législature. C'est l'occasion avec Bruno Le Maire de refaire un point sur la situation de nos finances publiques et de toutes les actions engagées pour maîtriser le déficit malgré les nombreux aléas de cette gestion. Cette audition ne porte, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur général, à votre demande que sur l'année 2024 et je ne peux que partager ce parti pris compte tenu de la situation politique. En complément du propos de Bruno Le Maire, je voudrais pour ma part insister sur 3 points s'agissant de l'année 2024. Rappeler d'une part la stratégie qui est la nôtre depuis le début de l'année,
dresser un état des lieux de nos finances publiques à date et les conséquences qu'il faudrait en tirer, et finalement revenir aussi sur les informations dont vous disposez à l'aube de la présentation du PLF 2025. Donc pour l'année 2024, Bruno Le Maire l'a rappelé, nous avons fixé un objectif de 5,1% de déficit qui prend en compte les résultats de 2023 et qui s'inscrit dans l'indispensable trajectoire de réduction de notre déficit public. Nous avons toujours dit, de manière constante, je crois, que pour tenir cet objectif, il faudrait faire des efforts partagés et continus. Et nous avons pris les mesures nécessaires depuis le début de l'année pour tenir cet objectif. Bruno Le Maire l'a rappelé, nous avons pris un décret d'annulation de 10 milliards d'euros sur l'ensemble du budget de l'État et à cette époque, je le rappelle, sans toucher au budget de la sécurité sociale, sans toucher au budget des collectivités territoriales et dans le respect de la LOLF. C'est un effort d'ailleurs budgétaire inédit qui a conduit à des mesures d'économie et des reprogrammations dans tous les ministères. Nous avions également annoncé dès avril que ce décret d'annulation devrait être absolument complété par d'autres mesures d'effort en dépenses et en recettes sur l'année 2024 pour tenir notre objectif. Nous avions dit à l'époque qu'il fallait trouver entre 5 et 7 milliards d'euros supplémentaires sur l'État, grâce notamment, j'y reviendrai, à la mobilisation de la réserve de précaution. Et c'est la raison pour laquelle nous avons notifié au ministre des cibles d'exécution le 11 juillet et mis en réserve l'équivalent de 16,5 milliards d'euros de crédit. À la fois compte tenu des élections, compte tenu du fait que nous sommes ensuite, nous avons basculé en gestion des affaires courantes, nous n'avons pas pu prendre de nouvelles mesures d'économie ces dernières semaines, qui étaient et qui restent, de mon point de vue, indispensables pour tenir cet objectif. Ces réserves de précaution sont naturellement à la disposition du prochain gouvernement, qu'il souhaite ou non poursuivre les efforts engagés. Il pourra aussi s'appuyer sur l'ensemble des revues de dépenses qui ont été mises à la disposition du Parlement et d'ailleurs rendues publiques par le ministère de l'Économie et des Finances. S'agissant des recettes, je le rappelle, nous avions prévu 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'année 2024, en s'appuyant notamment sur un travail des parlementaires de la Commission des finances qui ciblait les rentes. C'est en ce sens que les services de Bercy ont préparé un certain nombre de dispositifs qui sont à la disposition du prochain gouvernement et du Parlement sur la taxation des énergéticiens ou bien encore la taxation des rachats d'actions. Et enfin, le troisième volet, de cette deuxième étape en 2024, c'était la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales pour 2,5 milliards d'euros. Ça, c'était le cadre dans lequel nous sommes inscrits depuis le début de l'année. J'en viens désormais aux dernières informations plus précises dont nous disposons à ce jour et que vous disposez également suite à la demande du président et du rapporteur général sur la situation de nos finances publiques. Je le dis, la situation de nos finances publiques, elle reste préoccupante. Elle reste préoccupante pour les raisons qu'a évoquées Bruno Le Maire, mais aussi en raison d'aléas dans la gestion. Premier risque, c'est celui des recettes. Et j'y reviendrai. Et le deuxième risque, c'est la dynamique exceptionnelle et inattendue des dépenses des collectivités territoriales. S'agissant des recettes, en 2023, et nous avons eu l'occasion ici même de nous en expliquer, nous avons constaté une baisse brutale, marquée de nos principales recettes en fin d'année dernière. Nous avions eu l'occasion donc d'expliquer en détail ces conséquences. Depuis, un rapport de l'Inspection générale des finances a été rendu public et confirme le caractère largement imprévisible d'un tel niveau de recettes en 2023, compte tenu de la croissance, renvoyant notamment aux éléments sur l'élasticité des recettes à la croissance. Nous avons pleinement tenu compte de ces résultats et de la situation observée l'an dernier, en révisant à la baisse, à hauteur de près de 30 milliards d'euros, la prévision de prélèvement obligatoire de la loi de finances pour 2024 à l'occasion de la présentation du programme de stabilité. Vous vous en rappelez, c'était en avril dernier. Toutefois, les derniers éléments disponibles, tant dans les encaissements que dans les déclarations de certains grands impôts, indiquent que nous pourrions être en deçà de cette prévision actualisée pour 2024. Ces éléments, vous en disposez. Naturellement, il s'agit des notes qui vous ont été transmises. Elles indiquent notamment que globalement, les encaissements cumulés à fin juillet sont en ligne avec le programme de stabilité, mais que derrière
ces encaissements cumulés en ligne, mais il y a des variations entre la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les DMTO et les DMTG. Pour autant, la dynamique des encaissements en comptabilité budgétaire, quand on regarde les remontées à fin juillet disponibles depuis fin août, indique des orientations défavorables, et c'est le sens notamment de la note que nous avons adressée avec Bruno Le Maire. Il y a aussi plus-values, je dirais, avec notamment la constatation de la contribution sur les rentes inframarginales, dont nous avons souvent débattu ici même. Le solde du mois de juillet fait apparaître 1 milliard d'euros de plus que prévu pour l'année 2023. Donc la CRIM pour l'année 2023 sera rehaussée de 1 milliard d'euros supplémentaires, puisque c'était le solde du mois de juillet qui nous était dû au titre de l'année précédente. Donc à ce stade, des recettes en ligne avec le programme de stabilité, mais des travaux et des indications qui laissent à penser qu'un écart pourrait être constaté d'ici la fin de l'année. Notamment sur la TVA, j'insiste sur ce point, un impôt auquel les gouvernements successifs n'ont d'ailleurs pas touché, son rendement devrait pâtir du fait que notre croissance est davantage tirée par les exportations que par la consommation intérieure, et donc avec des recettes de TVA qui pourraient en souffrir. Et enfin, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et à l'appui des données notamment du solde de l'IS de mai 2023, les prévisions d'évolution du bénéfice fiscal devront être révisées à la baisse. Enfin, sur l'impôt sur le revenu, vous savez que les déclarations de revenus donnent lieu à 5 émissions entre juin et décembre, et à l'issue de la deuxième émission, le solde de l'IR se révèle être inférieur par rapport à la deuxième émission de l'année dernière. Donc ce sont des éléments nouveaux. Ce sont des éléments qui nécessitent d'être analysés par les services, notamment dans le cadre de la construction du projet de loi de finances pour 2025. Mais je redis ici qu'en aucune manière, les baisses de recettes ne sont liées à des baisses de taux. On le voit naturellement sur la TVA ou l'IS en particulier, mais bien le sous-jacent de l'impôt et la base taxable. J'en viens maintenant au second aléa qui affecte la situation de nos finances publiques. Il s'agit des dépenses des collectivités territoriales. Alors les constats que nous avons posés ont suscité, je le sais, de vives réactions, mais je crois qu'il était là aussi nécessaire de les partager très largement, car cette dynamique de la dépense va peser sur les résultats de l'année 2024. Et à ce titre, je voudrais revenir sur quelques idées reçues. Les collectivités territoriales, elles doivent respecter des règles d'équilibre de leur budget de fonctionnement. C'est tout à fait exact. Mais il est faux de dire qu'elles ne peuvent pas être en déficit, ni même contribuer au déficit public. Sur la base des données disponibles à fin juillet 2024, et en poursuivant la tendance sur leurs dépenses, le déficit des collectivités territoriales, j'insiste sur ce concept qui n'est pas un concept nouveau de Bercy, qui est un concept de l'INSEE, qui est un concept utilisé ici même, par le comité des finances locales, présidé par André Léniel, ce concept-là du déficit public, il connaît une forte aggravation pour les collectivités territoriales. Et si on poursuit la dynamique des dépenses observées par les collectivités territoriales, pourrait atteindre un niveau historique de moins 20 milliards d'euros. Et nous avons essayé de retrouver quelles étaient les dernières années où nous aurions pu constater un tel déficit. Il faut au moins remonter 25 années en arrière, pardonnez-moi, pour retrouver ce tel niveau de déficit. Alors pourquoi ce déficit inédit ? D'abord par l'accélération des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales de plus de 7% à la mi-année et des dépenses de fonctionnement de plus de 15% à la mi-année. Et en effet, cette dynamique des collectivités territoriales, elle n'était pas prévue dans la trajectoire des finances publiques. Je le rappelle, la loi de programmation sur les finances publiques, elle prévoyait une augmentation plus modérée des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, juste en dessous de l'inflation, 0,5 points en dessous de l'inflation. Et cette modération, je me rappelle des débats que nous avions eus ici même, elle correspond à la contribution attendue des collectivités territoriales à l'effort global de redressement des finances publiques, et telle qu'elle se retrouvait notamment dans le programme de stabilité. Et dans le cadre des budgets économiques d'été, dont vous avez eu la connaissance, la croissance de ces dépenses de fonctionnement a bien été revue à la hausse une première fois, en tenant compte de la hausse constatée dans les budgets primitifs. Mais il faudra revoir cette hausse encore une fois, compte tenu des données d'exécution à fin juillet, puisqu'elles sont encore plus dynamiques
que celles que nous pouvions constater sur la base des seuls budgets primitifs. Et s'agissant de l'investissement, la trajectoire prévoyait une accélération de l'investissement des collectivités territoriales, compte tenu du cycle électoral, de 8%. Or, la dynamique observée nous amène plutôt à 15%. Donc, si on actualise le taux de croissance de dépenses des collectivités territoriales à fin juillet, la prévision des dépenses des collectivités devrait être augmentée de plus de 16 milliards d'euros par rapport à la trajectoire initiale. Et cela viendra mécaniquement creuser le solde projeté pour les collectivités territoriales et pour le déficit public de manière générale. Et là-dessus, je voudrais insister pour dissiper un malentendu. Il ne s'agit pas de dire que les élus locaux sont de mauvais gestionnaires, du tout. Il s'agit juste de constater que la contribution attendue des collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques n'est pas intégrée dans les choix des décideurs locaux et notamment dans le cadre de leur budget, à la fois en fonctionnement et en investissement. Et c'est bien ça, je crois, depuis maintenant 2 ans, le malentendu qui plane, d'une certaine manière, entre l'État et les collectivités territoriales. Enfin, pour finir, je voudrais revenir sur la méthode et rappeler que toutes les informations relatives à la situation des finances publiques demandées et par le président et par le rapporteur général leur ont été transmises. Transmises dans les temps. Et je crois d'ailleurs qu'il y a plus de 250 documents qui ont été remis au Parlement, d'ailleurs à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous avons aussi publié 2 rapports de l'Inspection générale des finances, l'un sur les prévisions de recettes, l'autre sur l'exécution budgétaire à mi-année. Et au même titre que toutes les revues de dépenses ont été rendues publiques. Je crois que jamais, d'ailleurs, le Parlement n'avait disposé d'autant d'informations détaillées et précises sur le suivi de l'exécution et sur les prévisions avant même l'examen d'un projet de loi de finances. Et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Je vous remercie. Bien, merci, messieurs les ministres. On va donc ouvrir la discussion. Ce sera moi qui commencerai, puis suivi du rapporteur. Je vous propose de répondre à ces 2 interventions. Et puis après, comme on l'a décidé dorénavant, il y aura intervention d'un groupe, réponse à ce groupe, etc., etc., du tac au tac, avec le même temps de minutes que l'intervention du groupe. La première chose que je voulais dire, Bruno Le Maire, c'est je vous remercie d'avoir rappelé que nous étions beaucoup... au printemps dernier, même avant le printemps d'ailleurs, à avoir contesté la manière dont il y avait eu des annulations de crédit. Alors je sais que sur le texte, à la lettre, c'était rendu possible par le pourcentage d'annulation qui était en deçà du déclenchement automatique d'un PLFR, mais sachant qu'après, il y avait eu des gels de crédit de fait. Je pense que les faits nous donnent raison quand nous demandions un débat démocratique à l'Assemblée nationale sur cette question 2024. Je savais que vous étiez de cet avis. Je regrette pour ma part que vous n'ayez pas été suivi, mais c'était une remarque de beaucoup de nos collègues. La deuxième chose, c'est que j'entends ce que vous dites, Thomas Cazenave, sur les documents qui nous ont été transmis. Mais sauf que le problème global... Et vous nous aviez d'ailleurs prévenu par téléphone, donc ce n'est pas vous le responsable premier, mais c'est qu'on est en dehors de la loi organique. C'est-à-dire qu'on a maintenant quasiment 6 semaines de retard par rapport à la transmission de documents si on respecte la loi organique. C'est quand même ça la règle de départ. Et de ce point de vue, je dois le dire, je le dis solennellement, là ce n'est pas à vous, mais c'est plutôt, j'utilise cette commission pour le dire à M. Barnier. Je souhaite vivement, je sais que mon homologue du Sénat dit la même chose, que les délais soient respectés pour le 1er octobre pour la transmission d'un budget, pour permettre que l'Assemblée nationale puisse jouer de manière complète son rôle en ayant le temps des débats, ce qui me paraît nécessaire. Bon, et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a eu un budget qui a été préparé cet été à Bercy. Vous avez anticipé les choses. Donc il ne devrait pas être extrêmement compliqué... j'allais dire, d'accélérer les choses et de faire en sorte que nous ayons un budget. Et si vous nous avez effectivement transmis les documents, ce que nous remarquons, c'est que nous n'avons pas évidemment de tiré à part pour l'instant, parce que vous avez, et là, je vous ai donné raison, attendu que le prochain gouvernement soit nommé pour nous les donner. Maintenant, il y a des lettres de plafond qui existent, qui ont été transmises. Avec le rapporteur général, nous les avons demandées au Premier ministre Attal. Nous allons donc transférer cette demande au Premier ministre Barnier.
Et nous, pour la commission, je parle, nous allons exiger, si le tiré à part doit encore prendre du temps, que nous ayons ces lettres de plafond, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de détails. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Bien. Alors, sur la question de cette discussion, qui à la fois est une discussion sur le budget 2024, mais aussi un peu de bilan. D'ailleurs, vous l'avez largement fait, Bruno Le Maire. Bien. Si je reprends la question de la note et des différentiels donc de chiffres annoncés par la note, je parle de la note du DGF, à la fois sur le budget économique d'été, puis il cite les budgets économiques d'hiver par rapport déjà au programme de stabilité. Ce que dit cette note, c'est qu'en réalité, cet écart, il était déjà annoncé. Si j'ai bien compris, il y a eu donc un BE en hiver, enfin hiver-février, qui estimait qu'on aurait un déficit de 5,7% en 2023 et de 5,9% en 2025. Donc très loin déjà des 5,1% qui étaient prévus dans le programme de stabilité, de 4,1% prévu en 2025. Et la note de la DGF dit d'ailleurs que une des raisons de cet écart, c'est dû fortement au fait que le retrait des mesures non documentées, enfin qui parle des mesures non documentées qui avaient permis d'asseoir votre programme de stabilité. Donc j'ai une première question, c'est comment vous expliquez que, alors que nous avions tous expliqué que ces chiffres était optimiste, si ce n'est fantaisiste. Comment vous expliquez qu'on présente quand même des chiffres qui ne peuvent correspondre à une réalité et dès l'année en cours? Moi, j'aimerais bien vous entendre sur cette question. La deuxième chose, la raison que vous avancez sur cette augmentation de déficit, c'est les collectivités locales. Alors, j'ai entendu, Thomas Cazenave, vous avez dit qu'il n'était pas des questions d'accuser les collectivités locales, etc. Mais enfin, c'est quand même eux qui sont pointés. Je note que la note de la DGF explique que la dépense des collectivités locales serait plus élevée qu'anticipée en 2024 à hauteur de 3,4 milliards, sans compter les 2 milliards d'économies que vous aviez intégrées au programme de stabilité, et de 4,4 milliards en 2025. On n'en est donc pas à 16 milliards. Et je dois dire que j'aimerais avoir un retour de votre part, parce que les collectivités, au moment où vous annonciez qu'elles allaient contribuer à hauteur de 2 milliards à la baisse des dépenses publiques, vous disiez « ça ne sera pas possible ». Ça ne sera pas possible parce que la DGF n'a pas été indexée sur l'inflation. Ça ne sera pas possible pour les départements parce que la crise immobilière fait qu'il y aurait une rentrée moindre de la DMTO. Ça ne sera pas possible parce que on peut s'interroger sur, c'est en tout cas ce qui estime la plupart des associations de collectivités, sur la non-compensation intégrale de la CVAE et de la taxe d'habitation. Ce ne serait pas possible aussi parce que tout ça est assis, et d'ailleurs interroge sur le transfert qu'on a tendance de plus en plus à faire aussitôt qu'on supprime soit un impôt, soit on exonère sur la TVA, à partir du moment où la TVA reflue du fait même simplement que l'inflation diminue. Donc tout ça, ça a été averti, quoi. Et je rappelle, et vous l'avez dit, Thomas Cazenave, ce n'est pas des déficits en tant que tels, effectivement. C'est qu'elles vont puiser dans leur épargne, ce n'est pas l'État qui va compenser, même si ça rentre dans le solde négatif au sens maastrichtien du terme. Mais je trouve que les collectivités, quelque part, ont beau dos par rapport à cette prévision. Donc la question qui revient, que note la direction générale et que nous notons depuis pas mal de temps, c'est que le problème global, et vous le dites, c'est qu'il y a moins de recettes. François Eckhall, qui a été auditionné par la commission qui était chargée, mise en place notamment à la demande des Républicains, qui ne peut pas être crédité d'être un économiste antilibéral, expliquait lors de l'audition de cette commission qui a donc été malheureusement arrêtée que le déficit en France, je vais dire hors dette exceptionnelle Covid, mais que le déficit en France qui s'accroît depuis des années, il est dû principalement non pas à la hausse des dépenses publiques, mais à la baisse des recettes. Bien. Et la baisse des recettes, c'est une décision aussi politique. Cette baisse des recettes, elle a notamment été par la baisse de l'impôt sur les sociétés, par les cadeaux fiscaux au capital, etc. Vous connaissez notre protestation. Et si on n'avait pas fait ces baisses de recettes, tout simplement aujourd'hui, nous serions en dessous de 3% de déficit. Donc à partir de cette question, moi, je vous interroge. Vous proposez pour 2024 encore plus de dépenses publiques. La dépense publique, l'an dernier, elle a reculé de 1,5%. Les recettes ont reculé de 2% par rapport au PIB. Bien. Donc ma question, c'est, à partir du moment où vous faites cette politique,
J'allais dire, est-ce que finalement, vous ne craignez pas, moi je le crains, et d'ailleurs l'OFCE annonce que si on baisse de 30 milliards l'an prochain les dépenses publiques, il peut y avoir un effet récessif de 0,5% sur la croissance. Est-ce que vous ne craignez pas que les baisses de dépenses publiques entraînent plus de déficit, autrement dit que l'austérité entraîne plus d'austérité dans un moment où il y a un reflux de l'activité économique? Et pourquoi ne pas faire face à la vraie question qui nous est posée, c'est-à-dire la baisse des recettes? Et de ce point de vue-là, je vais conclure. Baisse des recettes, je le dis comme ça à mes collègues, c'est la question que je voulais vous poser, parce que Bruno Le Maire, je sais que vous avez un avis sur la question, c'est que si, en 2024, on faisait en sorte que les 16,7 milliards qui ont été gelés en termes d'annulation, soient annulés intégralement, qui se rajouteraient aux 10 milliards, juste pour information et calcul, cela donnerait quand même une baisse des budgets du sport de 18,9%. Asile, immigration, 17,5%. Je sais que certains seraient satisfaits ici. Aide publique au développement, 17,3%. Écologie, 14%. Outre-mer, 11%. Cohésion territoire, 7,5%. Travail, emploi, 6,8%. Et des ministères seraient moins impactés en termes de pourcentage, mais en termes de volume, ça serait énorme. L'éducation, ça serait 1,1 milliard. La recherche et l'enseignement supérieur, par exemple, ça serait 1,3 milliard si toutes ces sommes étaient annulées. Autrement dit, ça serait une ponction de dépenses publiques qui serait évidemment, qui aurait un impact sur, très fort sur l'économie et évidemment aussi sur le rôle de ces ministères. Et je vais terminer par une petite question que je voulais vous poser, Bruno Le Maire, avec un graphique que je proposais de présenter et qui finalement correspond aussi à la politique que vous avez défendue. Alors, je ne sais pas si le graphique va venir. Je l'espère. Bien, que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE, bien, et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté. J'ai pas de souci là-dessus, on n'était pas en accord, mais dites de la compétitivité, c'est-à-dire comment on favorise les revenus du capital pour espérer être compétitif, que les revenus du capital viennent, qu'à partir de là, il y ait ça sourit à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases d'Helmut. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montrent, diagramme à l'appui, qu'entre 2017 et aujourd'hui 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017, je ne regarde pas visuellement, à aujourd'hui plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par justement la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus capital. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu... L'enjeu en vaut la chandelle. Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine qui... le transfert de richesses nationales qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse, c'est non. Mais j'attends votre retour, parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors... On emploie le terme de bilan. Je rappelle qu'ici, nous parlons du bilan sur les finances publiques. On pourrait parler du bilan économique, puisque j'ai été ministre des Finances, mais aussi ministre de l'Économie pendant 7 ans. Et on pourrait mettre en avant le fait que depuis 7 ans, la France a une croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de la Grande-Bretagne, supérieure à celle de l'Italie. Je pense que c'est la preuve de l'efficacité de notre politique économique que nous avons poursuivie avec beaucoup de constance, avec la majorité, avec le président de la République, avec les premiers ministres successifs. On pourrait rappeler que l'emploi et le chômage ne sont plus un problème en France, alors que le chômage était un facteur d'anxiété majeur dans notre pays. On pourrait rappeler que pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays, 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017. Et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des faits. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan, mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. Mais je reviens en finances publiques aux questions que vous m'avez posées. D'abord, sur les délais. Avec le Premier ministre, Gabriel Attal, nous avons fait très attention à tenir les délais. Et nous avons cet été, avec Thomas Cazenave, fait tout le nécessaire pour que les délais puissent être tenus. Vous tenez au délai du 1er octobre. Une fois encore, ce n'est pas à moi de décider.
Simplement, nous avons travaillé tout l'été avec Gabriel Attal et avec Thomas Cazenave et avec la majorité pour que le budget puisse être présenté en temps et en heure. Après, c'est au nouveau gouvernement de prendre des décisions sur les délais. Ce n'est pas à moi de me prononcer, mais je tenais à partir du ministère de l'Économie et des Finances en laissant les choses en l'ordre et un calendrier qui puisse être tenu. De la même façon, sur les crédits et sur les lettres plafonds, nous avons fait le choix avec Gabriel Attal d'envoyer les lettres plafonds pour permettre justement au calendrier d'être respecté. Nous avons fait le choix de mesures d'économie qui sont très significatives. Si le prochain gouvernement veut faire des choix différents, c'est à lui qu'il appartient de faire ses choix. C'est pas à moi. Mais tout est en ordre. Il y a juste maintenant à transmettre et à avancer. Sur les deux notes des budgets économiques d'hiver et des budgets économiques d'été. Alors je ne vais pas revenir trop longuement sur les budgets économiques d'hiver, parce que ça m'a valu 3h30 d'audition à la Commission des finances du Sénat, ce qui est toujours un grand plaisir, mais on ne va peut-être pas y passer 3h30. On a observé, vous le savez tous, un décalage sur les recettes en 2023 très important, de 20 milliards d'euros. J'ai reconnu que c'était un accident et qu'il ne devait pas se renouveler et qu'il posait un vrai problème. Et nous avons immédiatement apporté une réponse. La réponse a été les 25 milliards d'euros d'économies qui nous permettent de tenir la trajectoire budgétaire. Et je le redis, pour les 10 derniers milliards de ces 25 milliards, je partage votre avis, je pense qu'une loi de finances rectificative aurait été plus sûre et plus efficace. Mais nous avons tenu compte de ces chiffres et pris les mesures nécessaires pour tenir la ligne sur les finances publiques. Sur les budgets économiques d'été de 2024, je le redis, ce n'est pas une prévision officielle, c'est une estimation qui est à prendre avec toute la prudence nécessaire. Moi, je vous donne une nouvelle fois mes recommandations. À partir du moment où il y a une incertitude sur les recettes et une réalité sur les dépenses des collectivités locales, ma recommandation, c'est une loi de finances rectificative pour avoir des recettes fiscales supplémentaires dès septembre, la CRIM et les rachats d'actions. C'est utiliser les crédits qui ont été mis en réserve en gelant ce qui vous paraîtra nécessaire d'annuler et non plus simplement geler. Et c'est la réunion du Conseil des finances publiques locales pour voir avec elle quelles mesures peuvent être prises sans affecter en particulier les petites communes ou les départements qui peuvent être en grande difficulté parce qu'on a des MTO qui baissent et des dépenses sociales qui augmentent. Ensuite, sur les moindres recettes. Le budget de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros depuis 2019. Donc, quand on me dit que c'est insurmontable de faire 10 milliards d'euros d'économies, c'est 10% de l'augmentation du budget de l'État depuis 2019. Donc, c'est étonnant parce que quand on dépense, c'est jamais vertigineux, mais quand on économise, c'est toujours trop. Quand on dépense 100 milliards, on m'explique que c'est rien. Mais quand on va en économiser 10, alors là, c'est une montagne insurmontable. C'est ça le problème français. L'économie est difficile, la dépense est toujours aisée. Il faudrait arriver à renverser les choses. Et à se dire très honnêtement, franchement, depuis 2019, la dépense de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros. Donc peut-être que sur cette dépense, on peut en économiser 10, 15, 20 pour retrouver une trajectoire qui soit plus raisonnable. Et il faut tout simplement faire des choix. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire pas dire tout est possible, mais dire ça c'est prioritaire, et ça en revanche, eh bien on va y renoncer, parce que c'est trop coûteux et que ça ne permet pas de financer les priorités. Je donne un exemple, j'y suis très attaché, le président de la République a fait le choix de doubler le budget des armées. Moi je souscris totalement à cette politique, je pense qu'on a besoin de protéger nos compatriotes, et que l'environnement géopolitique étant très difficile, ben, il est préférable d'avoir des armées qui sont en bon ordre de marche, avec les équipements nécessaires. Mais si on double le budget des armées d'un côté, il faut être capable de faire des économies ailleurs. Ça s'appelle le choix politique. Et ce qui fait le plus défaut à nos finances publiques, c'est le choix politique. Tout n'est pas possible. Il faut choisir. Et d'ailleurs, gouverner, c'est choisir. Enfin, sur le graphique que vous m'avez présenté, ben, c'est là que nous avons une différence politique majeure. Moi, ça me réjouit de voir que la richesse augmente en France. C'est toute la différence. De voir que nos grandes entreprises, que ce soit LVMH, Airbus, L'Oréal, Lactalis, réussissent. Et tant mieux. Alors oui, effectivement,
Moi, je considère qu'il faut d'abord produire la richesse avant de la redistribuer. D'autres estiment qu'il faut toujours plus redistribuer avant même de créer. Bah, c'est un des grands débats politiques que nous pouvons avoir. Ce que je constate simplement, c'est que la part de la richesse captée par les 1% les plus riches en France a diminué entre 2000 et 2022, là où elle a augmenté en Allemagne ou aux États-Unis. Ce que je constate, c'est que nous sommes le seul pays de l'OCDE où les écarts de richesse avant redistribution sont de 1 à 18 et après redistribution de 1 à 3. Aucun pays ne redistribue autant que nous. Parce que si on veut continuer à redistribuer et donc à protéger, il faut d'abord produire des richesses. Merci. Et Graham, ce n'était pas l'augmentation de la richesse, hein, l'augmentation du patrimoine des plus riches dans la richesse. Hein, je précise. Peut-être deux compléments pour répondre à vos questions, Monsieur le Président. D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est la note budget économique d'été ou d'hiver. Parce que là, sinon, je pense qu'on fait des erreurs d'interprétation. Quand on dit, ils sont en train de vous dire, votre déficit public sera par exemple à 5,6%. Ce qu'on appelle la politique inchangée. C'est-à-dire, si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer sur le déficit public. Et cet hiver, c'est ce qu'ils ont écrit. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris des décisions. On a pris des décisions d'annulation. Et donc, on a mis en réserve des crédits. Donc vraiment, il faut les regarder avec beaucoup de précaution, parce que ça ne dit pas ce que ça va donner. Ça dit si vous ne faites rien. Mais il n'y a jamais de situation dans laquelle on ne fait rien. Du moins, ce n'est pas ce que nous avons proposé. Deuxième élément sur la transmission, Monsieur le Président, le fameux tiret à part. On vous a donné, en fait, l'équivalent du tiret à part. On l'a fait, mais sans que ça s'appelle... C'est du Canada Dry de tirer à part. Voilà, c'est, monsieur le rapporteur général. Je pense qu'on vous a donné tout ce que nous avions, hormis les lettres plafonds que vous avez demandées au Premier ministre, puisque c'est lui qui les a adressées. Mais pour tout le reste, vous avez les informations qui auraient été communiquées dans un tiré à part. Mais on a considéré que c'était le premier acte politique d'un projet de loi de finances et qu'il revenait à un Premier ministre de le faire. Mais je crois qu'avec les 250 notes que nous avons adressées, vous avez tous les éléments d'information pour préparer en amont le débat budgétaire, d'ailleurs bien mieux que les autres, je crois que les autres années, vous n'avez jamais reçu autant d'informations, je pense, ici pour préparer. Et enfin, dernier élément de réponse sur les collectivités territoriales, monsieur le Président, en fait, dans les dernières estimations du Trésor, il s'appuyait sur les budgets primitifs des collectivités, c'est-à-dire ce qui avait été voté dans les collectivités. Et aujourd'hui, ce que nous avons à disposition, c'est l'exécuté, qui remonte grâce à la Direction générale des finances publiques. Et nous ne sommes pas sur une augmentation de plus de 4%, ce qui était dans les budgets primitifs, mais plutôt de 7% sur les dépenses de fonctionnement, 15% sur les dépenses d'investissement. Et en 2021, les collectivités territoriales, c'était un excédent de plus de 4 milliards d'euros. En 2022, de plus de 3 milliards d'euros. Et ce qui est vraiment inédit face à nous, et ce qui va impacter le déficit public, c'est que ce déficit tombe à un niveau exceptionnel. 20 milliards d'euros, c'est un niveau exceptionnel, je le redis, que nous n'avons jamais connu. Et donc, ça a un impact sur le déficit public. Et enfin, pour vous répondre sur les baisses de recettes, je le redis ici, y compris dans les dernières baisses de recettes que nous avons constatées, ce n'est pas le taux qui est en question, monsieur le Président. On n'a pas baissé le taux de la TVA, par exemple, ni là le taux de l'IS en 23 ou en 24. C'est bien la base taxable qui, elle, s'est rétrécie d'une certaine manière. Donc ce n'est pas la question vraiment de la politique fiscale, mais bien des mouvements économiques, de la composition de la croissance et des élasticités qui ont été bouleversées par l'après-Covid, alors qu'elles avaient été stables pendant les 30 dernières années. Bien. J'aurais des choses à vous dire, mais je ne vais pas préempter le temps. Monsieur le rapporteur général, Charles de Courson. Monsieur le futur ex-ministre de l'économie, comme vous nous l'avez expliqué, monsieur le député et toujours ministre du budget expédiant les affaires courantes, monsieur le président, mes chers collègues. Je voudrais vous poser, messieurs les ministres, deux types de questions. Premier type de question relative au respect du calendrier budgétaire qui a été évoqué par notre président. La Constitution prévoit un dépôt avant le premier mardi d'octobre qui tombe cette année le 1er octobre. Pouvez-vous nous indiquer le calendrier prévisionnel de transmission du projet de loi de finances initial 2025 et, si vous l'avez, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale au Haut Conseil finances publiques, au Conseil d'État, puis au Conseil des ministres et au Parlement. Deuxième chose, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas reçu des lettres plafond signées en juillet 2025.
Et nous vous avions dit, messieurs les ministres, que nous sommes susceptibles d'aller les chercher en application de la loi organique. Nous pouvons prendre rendez-vous avec madame la directrice du budget et de dire, voilà, vous allez nous remettre une photocopie de ces documents. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous nous avez remis la fiche de synthèse, puisque on a négocié ça, puisque vous ne vouliez pas qu'on lui donne le nom théorique. Bon, donc, fiche de synthèse, mes chers collègues, on a par mission l'évolution, etc. Voilà. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et donc, si vous pouviez nous répondre sur ces lettres plafond, puisqu'on nous a indiqué il y a quelques heures qu'elles étaient caduques, puisque le Premier ministre avait changé. Vous avouerez que c'est quand même une défense. Ils existent quand même, ces documents. Ils intéressent la Commission des finances. Voilà. Et puis, pourriez-vous nous faire un petit point sur, toujours sur le calendrier, sur le contexte européen et le programme de stabilité budgétaire à moyen terme? Nous savons que des négociations sont en cours concernant son contenu et qu'un rapport de sa présentation, qui était prévu le 20 septembre, serait susceptible. Vous nous aviez indiqué que vous espériez obtenir un accord pour fin septembre, puisque de toute façon, il faut que les deux documents, loi de finances, projet de loi de finances et ce programme de stabilité à moyen terme, soit cohérent au moins pour les années 2024 et 2025. Voilà pour les premières questions. Deuxième question qui concerne l'exécution et le 2024 et le dérapage des finances publiques. Je rappelle qu'il y a eu un premier dérapage en 2023, puisque nous avions voté un budget à 5% de déficit et on a fini à 5,5. Donc 0,5 point, pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, c'est 13 milliards. Et en prévision de la loi de finances initiale 2024, nous avions voté à 5,1, donc en légère hausse par rapport à la loi de finances initiale 2023, et il y a actuellement une prévision d'exécution à 5,6. Le déficit continuerait donc de se creuser en 2024 et même par rapport à 2023. Alors, comment expliquer ce dérapage ? Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que les grands responsables, ce sont les collectivités territoriales. Sur la base d'un document public, auquel vous pouvez tous avoir accès, qui s'appelle « La situation mensuelle comptable des collectivités locales », qui sort tous les mois. Et quand vous nous dites que le dérapage est de 16 milliards, je n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi ? Parce que si vous prenez ce document, la règle d'or, il faut le rappeler, s'applique, c'est-à-dire l'obligation de voter des budgets et de les exécuter en excédent. On n'a pas le droit de faire un déficit de fonctionnement. Or, nous avons la statistique à fin juillet, l'épargne brute, c'est-à-dire avant amortissement, etc., baisse uniquement d'1,2 milliard. Et l'épargne nette, c'est-à-dire cette épargne utilisée pour rembourser les emprunts, à 1,4 milliard. Alors même, en extrapolant sur l'année, on est peut-être autour de 3 milliards, ce qui est d'ailleurs ce qu'envisageait à l'époque la direction du Trésor, puisque dans la note que vous aviez remise, qui est du 17 juillet, on est à 3,4 milliards. Vous voyez, ça nous paraît tout à fait réaliste. Et quel est le problème de s'endetter pour investir? Je ne vois pas le problème. Au regard de nos engagements européens, ce n'est pas le niveau de la dépense qui importe, c'est le solde. Et donc, le solde, vous nous dites, il y a un dérapage de 7 milliards. Mais le solde dérape de combien, d'après vos prévisions, en 2024? Moi, je vous dis de l'ordre de 3 milliards par rapport à vos prévisions. Vous aviez prévu moins 0,2 points pour les collectivités territoriales dans la loi de finances initiale. On va peut-être finir à 0,15 points de plus. Ce n'est pas ça qui explique donc 0,5 points de déficit. Maintenant, j'en passe au problème de l'État. Je partage tout à fait l'analyse du futur ex-ministre de l'économie. Il fallait faire une loi de finances rectificative, car le problème central, c'est la chute extrêmement brutale des recettes de l'État. Je vous donne les chiffres, mes chers collègues. TVA, nous avions prévu 10,8 milliards. Vous savez que la TVA, c'est 200 milliards, 202 milliards. Nous avions prévu, mais il y en a 20% qui va aux collectivités locales, 40% à la sécurité sociale, et maintenant moins de 50% à l'État. Et dès le PESTAB, c'est-à-dire nous sommes en avril 2024, on avait déjà
une estimation à 98,7, c'est-à-dire une perte de 2 milliards à peu près. Actuellement, à fin juillet, on était dans une perte de 4,5 milliards, et en extrapolant, on serait quelque part autour de 8 milliards, 7, 8 milliards, dans ces ordres de grandeur. Le pire, c'est l'IS. Je rappelle les chiffres. Loi de finances initiale, 72 milliards, alors qu'en exécution 2023, on en était à 56,6. Vous voyez, une prévision d'une augmentation considérable de l'IS. Et dès le PESTAB, ça avait été réajusté à 60,9 milliards, c'est-à-dire 11,1 milliards de moins. Et actuellement, on serait autour de 12-13 milliards. Les acomptes ne sont pas bons, hein, autour de 12-13 milliards. L'IR, bon, est à peu près un petit peu en dessous, mais enfin, c'est 1 ou 2 milliards, c'est l'épaisseur du trait. Et donc, notre ex-collègue, M. le maire, a raison, puisque dès le PESTAB, l'écart entre les prévisions et les réajustements était de 16 milliards. Et actuellement, on serait plutôt autour de 20-22 milliards. Vous voyez, une chute considérable. Voilà. Et 7 à 8 milliards aux dernières nouvelles sur la sécurité sociale, essentiellement sur les cotisations sociales, puisqu'on n'a parlé que du budget pour le moment. Donc le grand dérapage, c'est le problème des recettes. Sur les dépenses, la tenue, puisque j'ai eu il y a 4 heures, même pas 3 heures, hein, le schéma de fin de gestion que je voudrais vous commenter. Nous avions ouvert à 492 milliards, hors intérêt de la dette et quelques autres éléments. Et on devrait finir à 488, c'est-à-dire 3,8 milliards de différentiel. Mais comment on l'obtient ? Premièrement, le fameux décret d'annulation de 10 milliards, qui représenterait dans 9,4 milliards, parce que tu n'as pas forcément réussi à faire totalement les 10 milliards. Annulation en plus, 8 milliards 2. Ça, c'est grosso modo la thèse, je vais l'appeler Cazenave, par rapport à la thèse Le Maire. La thèse Cazenave, c'est qu'on a gelé 16 milliards 6, on en annule la moitié. Et la thèse Le Maire, c'est qu'il faudrait annuler la totalité. C'est ce que vous avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure. Oui, enfin, on n'est plus un milliard près. Hein. Mais enfin, 15 à 16 sur 16,6. Alors, vous voyez, c'est 90%. Voilà. Après, on rouvre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui dérapent. Il y en a pour 4,3 milliards. Et sur les reports, j'attire votre attention, on va consommer 18,6 milliards sur les 22 milliards de reports. Mais on va reporter de 2023 à 2024 à 2025 9,1 milliards. C'est comme ça qu'on aboutit au moins 3,8 milliards. Vous avez tous suivi. Accrochez-vous. Hein. Bon. Donc, ça veut dire que c'est des économies de 17,6 milliards pour essayer d'être juste en dessous de la cible initiale, en espérant qu'il n'y aurait pas de remontée des taux et qu'on reprendrait encore 1 milliard sur les intérêts de la dette, etc. Vous voyez, bon, les aléas. Mais vous voyez, c'est considérable. Et sur la sécurité sociale, régime de base, hein, on perdrait donc 7 à 8 milliards sur les recettes. Et sur les dépenses, si j'en crois à la Fédération hospitalière de France, par exemple, les budgets de l'ensemble des hôpitaux publics seraient en déficit de, on dit, presque 2 milliards, hein, 1,7 milliard, 1,8 milliard. Les EHPAD, vous pouvez rajouter les EHPAD, 85% sont en déficit de fonctionnement, là. Hein, ce n'est pas un déficit au sens comptabilité nationale. Ouais. Donc, si vous voulez, on peut toujours dire on tient à l'ONDAM. Mais si on est obligé de s'endetter pour financer le fonctionnement des hôpitaux publics et le problème des cliniques privées qui disent à moins de 2-3 milliards supplémentaires, un certain nombre vont déposer le bilan. Donc, je veux dire, c'est ça, mes chers collègues, la situation. Alors, je voudrais poser la question, puisque M. le maire et M. Cazenave ne sont pas tout à fait d'accord. Moi, je suis plutôt du côté de M. le maire de ce point de vue-là. Il fallait faire une loi de finances rectificative. Et une loi de financement rectificatif de sécurité sociale dès le printemps, puisque ces chiffres étaient connus comme ordre de grandeur dès avril. Nous sommes au mois de septembre. Et donc maintenant,
Monsieur le ministre, vous êtes obligé de prendre des mesures extrêmement dures. L'exécution, si vous voulez, annuler les crédits gelés, etc. Comment vous allez faire ? Donc, d'où, si vous voulez, mes questions très simples. Est-ce que vous pourriez analyser côté recettes comment s'explique sur la TVA ? Moi, j'ai posé des questions à vos services. La réponse, c'est 1. La consommation n'est pas bonne. C'est ce que disent d'ailleurs toute la grande distribution et la petite et la moyenne distribution. Assez flat, puisque je vous rappelle que dans les prévisions économiques, on pensait que le taux d'épargne allait chuter de 17, qui était un taux historiquement le plus haut, à 15, de revenir au taux moyen des années. Or, il semble qu'on soit toujours autour de 17, 17,2, 17,5%. Première raison. Deuxième raison, c'est que nos exportations, on ne va pas s'en plaindre, se portent plutôt bien. Or, si les exportations sont plus importantes que prévues, elles ne portent pas de TVA, puisque c'est dans le pays de consommation qu'on la paye. Ça serait quelques éléments. Sur l'IS, là, moi, j'ai davantage de problèmes de compréhension. Pourquoi il y a un écart aussi considérable ? Mais c'est considérable. Vous voyez ? Sur l'IR, bon, les écarts ne sont pas très importants. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la chute des recettes et que, malgré toutes les mesures que vous prenez sur les dépenses, on va avoir, grosso modo, un déficit supplémentaire de 16-17 milliards sur le budget de l'État, après 17,6 milliards d'annulation, dans la thèse Cazenave. Je ne suis pas la thèse Le Maire, qui était à 25-26. Voilà les quelques questions toutes simples que je dois vous poser. Les réponses à ce rapport du rapporteur, merci. Je crois que ce qui va me manquer dans cette commission des finances, c'est les débats avec Charles de Courson. Surtout Charles de Courson, rapporteur général. Donc je suivrai ça à la télévision, au lieu d'être là physiquement comme je l'ai été pendant 7 ans. Quelques remarques peut-être générales. D'abord, sur ce que vous avez dit sur la loi de finances rectificative, ça confirme un vieux précepte. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc c'est sûr que s'il y avait eu une loi de finances rectificative en avril, ça éviterait d'avoir à en faire une maintenant, dans des conditions politiques plus délicates. Mais bon, pas pleurer sur le lait renversé. La deuxième chose que je veux souligner en mon nom et au nom de Thomas Cazenave, nous sommes dans les délais pour transmettre le projet de loi de finances 2025 au Parlement le 1er octobre. Et je partirai du ministère de l'Économie et des Finances en garantissant aux Français que les délais pour le dépôt du projet de loi de finances 2025 peuvent être tenus. Si nous avons fait le choix de reporter l'envoi à la Commission européenne, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il faut 15 jours entre la présentation à la Commission des finances et l'envoi à la Commission européenne, et que j'ai voulu que la primeur de la présentation reste réservée à la Commission des finances. Je n'allais pas envoyer quelque chose à la Commission européenne, alors même que la Commission des finances n'avait pas été saisie. Mais même avec ces 15 jours-là, je le redis, le délai peut, et à mon sens, doit être tenu. Vous l'avez souligné vous-même, le mardi 1er octobre tombe le mardi 1er octobre. Comme aurait dit M. Lapalisse, pour une fois, les choses sont parfaitement alignées. Donc le 1er octobre tombe bien, le premier mardi, le mardi est le 1er octobre. Donc je le redis, nous avons tout fait pour que le PLF 2025 puisse être transmis dans les délais fixés par la LOLF au Parlement le 1er octobre. Troisième élément sur les recettes, parce que c'est un vrai sujet. Il y a des mesures de correction, je les ai annoncées, je le redis, nous pouvons, et à mon sens, nous devons tenir les 5,1 de déficit en 2024. Et nos thèses, je pense, avec le ministre des Comptes publics, sont évidemment les mêmes. Simplement, on a un sujet conjoncturel et je pense que nous devons avoir une interrogation plus structurelle. Nous avons une structure de l'économie et de la croissance qui a changé au cours des dernières années et qui a plutôt changé dans le bon sens. Il y a plus d'exportations et moins de consommation. Dans le fond, on est en train de transformer la France en grande nation de production. Moi, c'est mon souhait. Je pense que c'est essentiel que la France redevienne une nation d'usines et de paysans, d'ouvriers et d'agriculteurs, qu'elle redevienne une nation de producteurs. Le seul défaut de ce choix économique que je revendique, et nous sommes dans la bonne direction, c'est que ça fait effectivement moins de recettes de consommation, moins de recettes de TVA. Donc quand on bascule
d'une nation de consommateurs, une nation de producteurs, ce qui pour moi est le grand enjeu français économique pour les prochaines décennies. On a effectivement moins de recettes de TVA. Ça, c'est un premier sujet. On a par ailleurs une consommation qui a été plus faible que prévu. On peut peut-être le lier aux incertitudes politiques. Tout ça aboutit effectivement à des recettes de TVA qui sont moins élevées. Sur l'IS, je pense que ça justifierait une interrogation économique beaucoup plus poussée pour avoir une évaluation plus précise. Je n'ai pas de réponse, pour être tout à fait sincère avec vous, à apporter à votre question. Après, sur la dépense sécurité sociale, État, collectivité locale. Je pense qu'il est important pour nos compatriotes de bien remettre les grandes masses. Et c'est pour ça que je dis très sincèrement, j'observe un chiffre sur les collectivités locales, mais je n'accuse personne. Et je ne pointe du doigt personne. Les dépenses des collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. L'État, c'est 30%. La sécurité sociale, c'est 50%. Donc notre modèle social, c'est ça qui risque de faire réellement déraper les comptes publics dans les années à venir. Tout simplement parce que le pays vieillit, que ses dépenses seront plus importantes et qu'on doit avoir une interrogation beaucoup plus politique qui est: comment finance-t-on le modèle social français auquel nous sommes tous attachés? Est-ce qu'on peut laisser déraper les indemnités journalières? Il y avait hier une interview du patron de la CNAM qui disait que ces indemnités journalières et les petits arrêts maladie ont explosé au cours des derniers mois. 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur les IJ, les indemnités journalières, en 10 ans. Ça veut dire, sur les 10 prochaines années, 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à cause des arrêts maladie. Il peut y avoir des raisons qui se comprennent. Il peut aussi y avoir des abus. Et en tout cas, il faut se pencher structurellement sur ce sujet. Sinon, on ne pourra pas rétablir les comptes publics. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les mesures d'urgence qui me paraissent nécessaires et qui, à mon sens, sont à notre portée pour tenir notre trajectoire, et des interrogations beaucoup plus fondamentales que vous portez, monsieur le rapporteur général, sur comment finance-t-on le modèle social français, comment garantissons-nous sa justice, son efficacité, et comment évitons-nous les abus que nous constatons, chiffres à l'appui, depuis quelques années. Thomas Cazenave. Merci, monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, pour calendrier de transmission du PLF-PLFSS, on a tout préparé pour mettre en situation le nouveau Premier ministre et le gouvernement de le faire dans les délais, mais je ne peux pas vous donner les délais qui seront effectivement et les dates qui seront effectivement choisies par le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre. Sur l'exécution 2024, moi je veux m'y arrêter un instant. Vous dites, la note du Trésor montre que votre déficit public dérape à 5,6%. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Je le redis, c'est: que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Nous nous sommes arrêtés en chemin. Nous avons fait 10 milliards d'annulations de crédit. Nous avons toujours dit qu'il y a 10 milliards d'efforts supplémentaires. Et ces 10 milliards reposaient en partie sur l'État. Nous n'avons pas pris de nouvelles mesures d'économie, et pour cause, parce que nous n'étions pas en situation de le faire. Je rappelle qu'il y a 3 milliards de recettes sur lesquelles nous nous sommes engagés au titre des rachats d'actions et des énergéticiens, qui ne sont pas non plus intégrés, et dépenses des collectivités territoriales. Donc moi, je redis ici, si ces mesures d'économie sur l'État, si ces nouvelles recettes sont prises, si des éléments de modération des dépenses des collectivités territoriales sont tenus, alors les engagements pris sur le déficit public sont tenus. Le 5,6%, il ne traduit que se passerait-il si plus rien n'est fait, et nous ne recommandons pas ici que les efforts s'arrêtent. Sur le déficit des collectivités territoriales, dans le programme de stabilité, nous avions anticipé 7 milliards d'euros de déficit des collectivités territoriales, en prenant l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement dans leur budget primitif et une hausse de 8% de leur investissement. Parce qu'on sait que dans ce cycle électoral, à un an et demi des élections municipales, deux ans, il y a un rebond de l'investissement. Et quand on constate aujourd'hui les dépenses effectives des collectivités, nous ne sommes pas dans cette trajectoire-là. Nous ne sommes pas dans une trajectoire qui nous amènera à 7 milliards de déficit des collectivités. Et je parle bien d'un solde. Parler d'un solde, c'est les recettes moins les dépenses. Et même si elles ont des dépenses de fonctionnement équilibrées, elles investissent, elles peuvent puiser dans leurs réserves, elles peuvent s'endetter. Et c'est ce qui se passe à un rythme très élevé cette année. Et donc là où nous anticipions 7 milliards de déficit, nous allons, si on poursuit les tendances observées, arriver plutôt à 20 milliards. Et ça, c'est là aussi
c'est bien un solde. Et ça, c'est direct dans le déficit public. Hein. Déficit public, ce n'est pas le déficit de l'État. L'État, c'est qu'une des composantes du déficit public. Et je crois que le vrai débat politique devant nous, c'est, et qu'on n'a pas réussi manifestement à amener jusqu'au bout, c'est dans quelles conditions les collectivités territoriales participent comme tous, comme l'État, comme le secteur de la sécurité sociale, à l'indispensable effort de redressement de nos finances publiques et de réduction du déficit public. Et s'agissant de l'ONDAM, le comité d'alerte s'était réuni. On est plus proche de 1 milliard d'euros de dérapage de l'ONDAM, ce qui est un dérapage tout à fait maîtrisé et pour lequel il y a des mesures de freinage qui existent et qui peuvent être prises pour tenir cette année l'ONDAM. Bien, merci. On va passer aux orateurs de groupe. J'ai bien entendu que le calendrier pouvait être tenu sur le 1er octobre. Je pense que les journalistes apprécieront, puisque je sais que c'est en débat dans leur colonne. On va passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes. Et donc je demande que la réponse soit équivalente, parce que sinon, on a quand même beaucoup d'inscrits supplémentaires. On n'y arrivera pas. Jean-Philippe Tanguy, la parole est à vous pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Écoutez, Monsieur le maire, vous aviez dit il y a 2 ans aux Français que vous alliez tenir le budget à l'euro près. Donc 2 ans après, on n'est pas à 1 euro près, on est à 30 milliards d'euros près. Alors 28 milliards, si effectivement on est précis. Mais vous êtes toujours serein et vous êtes satisfait de vous et de votre bilan au bout de ces temps. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face une fois de plus à une telle autosatisfaction, j'en peine à trouver effectivement mes mots, face à un tel désastre budgétaire. Là, vous dites que la France ne doit pas être lanterne rouge, mais la France est lanterne rouge. Vous n'avez plus aucune excuse pour laisser cette situation budgétaire. Mais vous êtes content de vous et vous continuez. Et j'avais l'impression, pour ne pas pleurer, je préfère rire, de voir au pays de l'or noir, Tintin, Dupont et Dupont, perdus dans le désert, sur leur Jeep, qui passent leur temps à faire le tour sur eux-mêmes. Ils sont perdus dans le désert, ils font le tour sur eux-mêmes, ils reviennent sur leurs traces, ils ne cessent de revenir sur leurs traces, et ils pensent être sur la bonne route. Et non seulement ils pensent être sur la bonne route, mais ils font la leçon en pensant l'être. Et à un moment, ils voient un mirage, ils pensent être arrivés à destination, ils plongent, et non, ils n'ont à manger que du sable. Et donc, au bout de 7 ans, monsieur le maire, vous n'avez à proposer aux Français que du sable. Et vous dites, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu loi de réflexivité, mais on le sait, c'est qu'il y avait les élections européennes. Et vous ne vouliez pas collectivement dire la vérité aux Français, bien aidé, il faut le dire, par les Républicains. Et donc, on en avait dit, maintenant, c'est la purge. Alors moi, j'avais annoncé 95 milliards de purges. Ben non, en fait, j'étais optimiste, c'est 110 milliards de purges qu'il va falloir traiter pour vos prédécesseurs. Et vous n'avez rien à proposer au bout de 7 ans comme marge d'économie. Je cite, vous proposez le gel, donc ne rien faire. Réunir une commission, ça va bien nous aider. Et si on ajoute la solution de M. Cazenave, il faut vider les réserves. Donc votre seule solution, c'est donc vider des réserves que vous avez constituées avec des déficits. Donc oui, pour lutter contre le déficit, visons les réserves constituées avec les déficits précédents. Donc finalement, au bout de 7 ans de gestion calamiteuse de l'État, mais rajoutons 50 ans de déficit, puisqu'en fait, rappelons-le, 50 ans de déficit de l'État, vous n'avez pas la moindre mesure d'économie structurelle à proposer aux Français, à part, on le verra dans un mois, augmenter les impôts, évidemment. Merci. Bruno Le Maire. Je vois, Jean-Philippe Tanguy, que vous gardez des propos aussi outrés que ceux que vous avez eus sur Michel Barnier. Ça doit être de nature. Moi, je suis toujours surpris de cette manie des nationalistes de taper sur la nation française. La vérité, elle est simple, monsieur Tanguy. C'est que la France réussit, c'est pas de la satisfaction pour moi, c'est la satisfaction pour les Français. La croissance française, elle est supérieure à celle de l'Allemagne. Le taux d'emploi, c'est le plus élevé depuis 50 ans. Les usines, elles rouvrent. Et l'attractivité du pays, elle n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans. Vous devriez vous en réjouir. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité que vous devez aux Français, à nos compatriotes, aux entrepreneurs et aux salariés. Mais comme disait un grand philosophe, la vérité n'a pas de clients, elle n'a que des martyrs. Bien. Ensemble pour la République, Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer l'actif économique qui est le vôtre, Monsieur le Ministre et Monsieur Cazenave, et qui ont pour nom, de façon assez incontestée, je crois, fin du chômage de masse, réindustrialisation du pays, retour de l'attractivité de notre territoire, et également les mesures de précaution que vous avez rappelées, qui, si nous ne les avions pas prises entre 2017 et 2019, ne vous auraient pas permis de protéger les Français, mesures que la plupart des collègues ici salue et que les Français, et dont les Français vous savent gré.
Un mot également pour vous dire que le scénario macroéconomique sur lequel se basent vos travaux et les travaux actuels est un scénario qui est validé, malgré ce qu'a dit l'INSEE tout à l'heure. L'acquis de croissance est suffisant pour qu'on soit à plus de 1% l'an prochain, contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui fleurissaient ici et là au printemps dernier. Les travaux économiques d'été, vous l'avez dit, M. le ministre Cazeneuve, sont là pour tirer le trait. Ils sont précisément à politique économique inchangée. Et je crois au contraire qu'ils devraient toutes et tous nous instruire pour nous enjoindre à prendre des mesures, non pas d'austérité, mais sérieuses sur la dépense publique. Dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000, il est quand même assez légitime de se demander si on est deux fois plus heureux que dans le début des années 2000. Et pour le groupe Ensemble pour la République, nous formulerons des propositions responsables. On aura une empreinte déficit comme on a une empreinte carbone nulle. En tout cas, on tendra vers cela. Et on fera en sorte surtout d'augmenter la quotité de travail et l'activité dans notre pays. Un chiffre que l'on rappelle trop peu, mais si on avait le même taux d'emploi qu'outre-Rhin, avec les freins que l'on connaît entre nos deux pays, on serait aujourd'hui dans une situation dans laquelle les déficits publics n'existeraient plus. Moi, je m'intéresse simplement à court terme sur les mesures que l'on peut prendre à la fois en recettes et en dépenses compte tenu du caractère avancé du calendrier. Est-ce que dans le calendrier qui est le nôtre, à défaut d'une loi de finances rectificative que vous aviez réclamée, on peut encore prendre des mesures en recettes de manière rétroactive? Je pense notamment à la contribution sur les rentes inframarginales. Et est-ce que l'on peut agir sur la réserve de précaution compte tenu du niveau d'engagement de dépenses à date? Bruno Le Maire. Merci d'abord pour vos propos, Mathieu Lefebvre. La réponse est oui. Donc nous avons des solutions qui sont très concrètes. Vous avez des solutions sur la réserve de précaution. Après, à vous de calibrer ce que vous voulez utiliser dans cette réserve. Et sur les recettes, nous avons laissé une proposition de contribution sur la rente inframarginale très différente de celle de 2023. Moi, je reconnais bien volontiers que nous avons échoué en 2023 à récupérer ce que nous aurions dû récupérer sur les énergéticiens. Donc nous avons transformé cette contribution sur la rente inframarginale. Je peux en garantir cette fois-ci l'efficacité. Ça peut représenter 2,8 milliards d'euros de recettes. Vous avez également une proposition de taxation sur les rachats d'actions qui peut rapporter 200 à 300 millions d'euros. Ça suppose d'avoir, là encore, une loi de finances rectificative adoptée dans les meilleurs délais qui peut avoir un effet rétroactif sur l'année 2024. David Guiraud pour la France Insoumise. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la cour des miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pro des finances. Au final, on se retrouve avec le palmachot. Si la situation n'était pas aussi dramatique, on pourrait en rire. Pas de bol, elle l'est. Pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sabrer 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'État social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA, avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Aujourd'hui, il ne conserve plus que 45% des recettes de TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément le déficit. En quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, ils retombent rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et monsieur le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA pour les Français, une question simple me vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme un récent rapport de l'Inspection générale des finances, d'augmenter la TVA, monsieur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Monsieur Bruno Le Maire. Je vais laisser
Thomas Cazenave va vous répondre. Merci. Peut-être pour repréciser les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités dans votre intervention, et peut-être la plus grosse, assez énorme d'ailleurs, d'expliquer que si la part de la TVA qui aujourd'hui part dans les caisses de l'État est passée de 80 ou 90% dédiée à 50%, c'est que nous aurions fait des cadeaux fiscaux. Il faut juste regarder comment fonctionne aujourd'hui le financement des collectivités territoriales ou bien de la sécurité sociale. C'est que l'État a transféré cette fiscalité pour financer des collectivités territoriales, financer la sécurité sociale, financer nos services publics. Je ne vais pas quand même laisser dire ici, à la Commission des finances, qu'on aurait passé de 90 à 50% et que le reste, c'est des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. C'est quand même une contre-vérité manifeste. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout dire et n'importe quoi dans cette enceinte. Et puis, quand vous dites, vous avez supprimé des impôts locaux, oui, la taxe d'habitation. Et vous savez qu'elle a été compensée à l'euro près aux collectivités territoriales. Et vous savez, compensée à l'euro près aux collectivités territoriales. Et que, par ailleurs, elles ont bénéficié, mais M. Guiraud ne le sait pas, d'impôts très dynamiques comme la TVA. Comme la TVA. Donc, c'est ça l'arrêté. Et si on peut avoir, avec les collectivités, un débat apaisé comme on l'a eu dans le Haut Conseil aux finances publiques locales, en disant on ne vous accuse pas de mauvaise gestion, mais on ne redressera pas les finances publiques si tout le monde ne fait pas un effort, et vous devez avec nous faire des efforts pour réduire le déficit public, alors on aura beaucoup de mal à faire face effectivement au défi qui est devant nous. Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, merci pour cette audition. Ma question est finalement relative à la situation que nous sommes en train de vivre, qui est finalement le bilan de cette année de politique. Alors il y a ce qui a été dit par les orateurs précédents sur le choix effectivement de baisse de recettes autour de 50 milliards d'euros par an. Cela, évidemment, nous le contestons. Les 28 milliards de taxes d'habitation supprimées, c'est la promesse électorale la plus chère de la Ve République. Aujourd'hui, personne ne se souvient que la taxe d'habitation a été supprimée et nous sommes aujourd'hui dans une certaine difficulté. Alors, il faut trouver 10 milliards d'ici la fin de l'année. Une des raisons qui justifie ce trou, au-delà de la question des taux, c'est bien sûr les bases. Et cette question des bases, elle n'est pas neutre politiquement. La raison pour laquelle les bases ont baissé et qu'aujourd'hui l'élasticité de l'augmentation des bases par rapport à la croissance est faible, c'était 0,4 l'année dernière, on pense autour de 0,6 cette année, au lieu des 1,1 prévus, eh bien c'est parce que les salaires augmentent moins vite que la production. C'est aussi, et donc, c'est des baisses d'hier en moins, une baisse du produit de l'hier. C'est aussi parce que la consommation baisse et que les recettes de TVA baissent. Et c'est aussi parce que les droits de mutation à titre onéreux baissent, parce que votre politique du logement n'a pas porté ses fruits. Pour toutes ces raisons, donc, c'est une autre politique qu'il faut mener afin d'augmenter nos bases fiscales. Alors ma question est la suivante. Proposez-vous que nous adoptions dans le prochain PLFR des mesures en recettes et notamment une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, comme vous l'aviez fait en 2017. Vous aviez à l'époque proposé une surtaxe IS pour combler le trou qu'il y avait à l'époque du remboursement du produit d'un impôt qui avait été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne. En appliquant les mêmes critères que ceux que vous aviez appliqués en 2017, on trouverait ainsi 5,5 milliards d'euros. Voilà ma question. Merci. Bruno Le Maire. Moi, je reste fidèle à ma ligne politique. L'autre politique que vous proposez, c'est l'augmentation des impôts. On dit toujours que c'est un caractère exceptionnel, puis ça reste définitif. Étant beaucoup, beaucoup plus âgé que vous, hélas, cher Philippe Brun, même si j'ai eu l'immense honneur d'être élu dans le même département que vous, je me souviens des débats dans cette commission des finances sur la surtaxe à l'impôt sur le revenu. C'était exceptionnel. Ça ne durerait que 2 ans. Il est évident que jamais ça n'aurait de caractère pérenne. Ça a été voté en 2008 ou 2009, nous sommes en 2024, 15 ans plus tard, cette surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur le revenu, elle est toujours là. Ce qui fait d'ailleurs que grâce à cette surtaxe exceptionnelle, nous avons le taux marginal d'impôt sur le revenu qui atteint près de 59%. C'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE avec le Japon et le Danemark. Donc cette autre politique, dans le fond,
c'est une augmentation massive des impôts. Parce que même en admettant qu'on s'en tienne à une surtaxe exceptionnelle à l'IS, qui rapporte que 5 milliards, vous voyez bien que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc il y aura une autre proposition d'impôt, puis une autre proposition d'impôt, puis une autre enfin, et on aboutira à ce qui, à mon sens, doit impérativement être évité pour des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons de justice, qui est de taper une nouvelle fois les classes moyennes qui travaillent. Donc pour toute cette raison, j'ai une vue différente de la vôtre. Je pense que l'autre politique qui consiste à augmenter les impôts n'est pas la bonne politique. Il faut au contraire garantir la stabilité fiscale aux ménages comme aux entreprises. Sur la taxe d'habitation, j'ai aussi une vue différente de la vôtre, mais là aussi c'est un débat qui est intéressant. La taxe d'habitation, quand elle existait, tout le monde disait qu'elle était injuste, que les bases étaient trop complexes, qu'on n'arrivait pas à savoir pourquoi les uns payaient 1 000 euros, les autres 2 000 et les troisièmes 200 euros. Nous l'avons supprimée. Mais si vous voulez remettre en place, une taxation qui représente une économie pour les ménages de 800 euros en moyenne par an, grand bien vous fasse. Mais je vous le dis très simplement, ça n'est pas ma recommandation. Merci. Pour la droite républicaine, Véronique Louwagie, par vision. On ne vous entend pas, Véronique. Véronique, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Là, oui, mais il faut parler plus fort. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, vous connaissez la préoccupation des députés hier, les Républicains, et aujourd'hui de la droite républicaine vis-à-vis de la situation de nos finances publiques. D'ailleurs, nous avions présenté en octobre 2023 un contre-budget proposant des économies de 25 milliards d'euros. J'entends aujourd'hui vos propos, Monsieur le Ministre, liés à l'urgence, à la difficulté et aux choix politiques. Je remarque que vous n'avez pas parlé du niveau de la dette qui atteint un niveau colossal à 3 100 milliards. Je voudrais avoir quatre remarques. Une première, vous avez évoqué la crise des gilets jaunes. Je voudrais rappeler que la crise des gilets jaunes a été liée à une augmentation du prix du carburant liée à une décision d'augmentation des taxes sur le carburant qui a été décidé par vous-même. Vous avez évoqué également la crise financière de 2011 en faisant une analogie avec la crise que nous avons vécue en 2018. Je voudrais signaler une différence, c'est qu'en 2011, nous étions protégés par d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie et qu'aujourd'hui, nous sommes en première ligne. Vous avez évoqué également qu'il ne fallait pas se permettre d'être la lanterne rouge de l'Europe. Je remarque qu'aujourd'hui, nous sommes un des mauvais élèves de l'Europe. Plusieurs questions. Une première, quels ont été les critères de choix dans les crédits budgétaires quant au gel que vous avez décidé ? Et est-ce que là, cela vous paraît possible de décider des gels au niveau des crédits budgétaires sans modifier les organisations, sans modifier les politiques publiques ? Ça, c'est ma première question. Une deuxième question, quel est votre niveau d'information sur la procédure pour déficit excessif qui est conduit au niveau européen. Et une dernière question qui a déjà été évoquée quant à la taxe d'habitation. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui d'avoir conduit cette politique ? Parce que vous disiez que c'était une taxe injuste. Je voudrais juste dire que si cette taxe a été jugée injuste, à ce moment-là, tout ce qui concerne les taxes foncières le sont également. Voilà, donc est-ce que finalement, vous n'avez pas un regret sur cette réforme ? Je vous remercie. Bruno Le Maire. Alors non, je n'ai pas de regret sur une décision de suppression d'un impôt sur les Français. Je considère que quand on est un pays qui a le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, tout ce qui permet de réduire les impôts des Français va dans la bonne direction, notamment des ménages, notamment des classes moyennes, notamment de ceux qui travaillent. Et je rebondis aussi sur les remarques de Philippe Brun, parce que toutes ces questions sont importantes, utiles, responsables. Moi, je vais vous dire très sincèrement, s'il y a un combat à livrer aujourd'hui, c'est le combat sur la taxation du 1% les plus riches qui peuvent, par toutes sortes de mécanismes fiscaux, échapper à l'impôt. J'ai mené le combat sur la taxation des gens du numérique. Ça a été un combat extraordinairement brutal, difficile, que nous avons mené collectivement avec le soutien de tous les parlementaires. Et nous avons gagné. Nous avons mis en place une taxation sur les gens du numérique qui rapporte plus d'un milliard d'euros à 3%. Nous sommes l'un des seuls États européens à l'avoir fait. Et ensuite, nous avons emporté la mise au niveau de l'OCDE.
nous avons réussi à mettre en place une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire taxer les multinationales qui échappaient à l'impôt. Là aussi, je vous remercie. J'ai eu votre soutien personnel et le soutien de tous les parlementaires. Mais ça a été une bataille extraordinairement difficile qui a duré 5 ans. La prochaine bataille, elle est menée par des économistes qui ne sont pas du tout proches de ma famille de pensée politique. C'est Gabriel Zucman, par exemple. C'est Esther Duflo. Mais je les ai soutenus. Et je soutiens mon homologue brésilien qui a mis sur la table du G20 une proposition de taxation des plus grandes fortunes. Mais c'est ça le vrai combat. C'est ça le bon combat, à mon sens. C'est la fiscalité internationale. Et là-dessus, je pense qu'on peut se retrouver et mener un combat utile. Deuxième remarque sur la dette, et je laisserai Thomas répondre sur les gels et les annulations. Les chiffres sont les chiffres. La dette publique, elle a augmenté de 26 points entre 2008 et 2011. C'est là que le dérapage est passé de 65 à plus de 90%. 12 points pour le Covid. Là où je vous rejoins parfaitement, Véronique Louwagie, j'en profite pour vous remercier pour la qualité du travail que nous avons eu ensemble au cours des différentes années, c'est que le vrai sujet, c'est le montant des émissions de dette. Nous sommes le premier émetteur de dette de la zone euro. 285 milliards en 2024. Pourquoi est-ce que je plaide pour une réduction de la dépense et une accélération de la réduction de la dette ? C'est que nous ne pouvons pas laisser dériver le montant des émissions de dette de la France. Ça poserait des problèmes financiers à terme. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre démissionnaire, 7 ans que vous êtes à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, et voilà dans quelle situation vous laissez les comptes publics. 5,5% de déficit en 2023, 5,6% projeté en 2024, à politique inchangée. Bien plus que nos partenaires européens qui ont pourtant dû faire face aux mêmes crises que nous. Et rappelons que l'OFCE a montré que ces crises n'expliquaient que la moitié de la progression de la dette publique en France. Car cette dégradation des comptes publics, c'est l'échec de votre politique, la politique de l'offre. 62 milliards de baisses d'impôts dont vous avez soutenu pendant des années qu'elle s'autofinançait grâce au fameux ruissellement. Un mythe, une chimère que la Cour des comptes vous a invité à maintes reprises à abandonner. Vous n'avez pas voulu écouter, le résultat est là, et ce sera ma première question. Reconnaîtrez-vous enfin que ces baisses d'impôts ont gravement fragilisé nos finances publiques ? Aujourd'hui, vous accusez injustement les collectivités locales d'être responsables du dérapage du déficit public et vous instrumentalisez ce déficit pour sabrer dans les dépenses. Avec un budget particulièrement sacrifié, celui de l'écologie, 2,2 milliards de coupes en février et une lettre plafond 2025, qui prévoit de diviser par 2 le fonds vert et d'amputer d'1,7 milliard le budget de MaPrimeRénov. Et ce sera ma deuxième question. Les rapports de la Cour des comptes et de la Direction générale du Trésor se succèdent pour dire la nécessité d'investir dans la transition et rappellent que votre inaction climatique aura des conséquences économiques désastreuses à moyen terme, car il n'y aura pas d'économie dynamique sur une terre saccagée. Alors pourquoi cette politique à courte vue et pourquoi avoir fait de l'écologie une variable d'ajustement ? En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité de tourner la page de 7 ans de politique de l'offre et de retrouver des marges de manœuvre fiscales pour consolider notre situation budgétaire, mais aussi pour répondre aux besoins écologiques et sociaux, rétablir nos services publics et financer la transition et l'adaptation au dérèglement climatique. Qui répond ? Première remarque, Vassas, notre économie est dynamique, c'est bien par ça qu'elle se caractérise. C'est la différence avec beaucoup d'autres pays de la zone euro. La croissance en Allemagne devrait être nulle en 2024, elle est de 1% en France. Et regardez la croissance cumulée depuis 7 ans, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Quant aux comptes publics, moi je veux bien tout entendre. Mais tous ici, tous, pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, vous m'avez demandé de dépenser beaucoup plus. Tous, sans exception. Vous avez déposé des amendements représentant des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Tous, vous m'avez reproché de ne pas faire suffisamment. Tous, vous avez fait le siège de mon bureau en disant « il n'y a pas assez pour les petites entreprises, il n'y a pas assez pour les PME, il n'y a pas assez pour les TPE, il n'y a pas assez pour tel secteur ». Donc vous ne pouvez pas, pendant 3 ans, tympaniser le ministre des Finances en lui disant « vous ne dépensez pas assez pour protéger l'économie » et puis revenir 2 ans plus tard en disant « mais vous n'avez pas suffisamment bien tenu les comptes ». Un peu de cohérence. Sur les impôts, vous expliquez que aujourd'hui,
ces mesures, elles expliqueraient très largement l'augmentation de la dette. Mais non, 70% de l'augmentation de la dette publique, les 12 points, vient des mesures de protection. C'est le chiffre de l'OCDE. 70%. Donc moi, je suis fier de la protection et j'essaye d'être cohérent. Je le redis, si j'avais à reprendre les décisions nécessaires pour protéger nos entreprises, les ménages, les compétences, je reprendrais exactement les mêmes. Je referais des PGE, je referais des aides aux PME, je referais l'activité partielle pour sauver nos compétences et nos salariés. Et maintenant qu'on revient à la normale, eh bien, nous rétablissons les comptes. Enfin, sur l'écologie, nous avons depuis 7 ans pris un nombre de mesures incalculables pour soutenir l'écologie, faciliter la transition écologique, mettre en place l'industrie verte, financer les rénovations énergétiques, soutenir les nouvelles filières industrielles. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis en place un crédit d'impôt pour l'industrie verte, pour les batteries électriques, pour les véhicules électriques. Là où l'Allemagne, que vous avez cité, a supprimé tous les bonus pour les véhicules électriques, nous les avons maintenus. Là où l'Allemagne a taillé dans les mesures de rénovation énergétique, nous avons maintenu les mesures de rénovation énergétique. Là où l'Italie est revenu totalement sur les mesures d'aide à la rénovation énergétique en estimant que c'était trop coûteux, nous avons maintenu les aides à la rénovation énergétique. Je suis convaincu qu'il faut faire plus pour le climat. Je vous rejoindrai là-dessus. Mais on peut aussi trouver d'autres sources de financement que le financement public. Jean-Paul Mattei pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Ministre, Bruno Le Maire, puisqu'on retrouvera peut-être Thomas en commission des finances, je voulais saluer votre engagement, même si je n'ai pas été parfois pas d'accord avec vous. On a ferraillé sur certains sujets, notamment sur une forme de justice fiscale. Mais on peut saluer votre engagement. Maintenant, il me semble, quand j'entends ces débats, vous pourriez faire un bilan un petit peu. Et les mesures, et si on reprend l'exemple de la taxe d'habitation, est-ce que, quand on faisait une mesure d'allègement, on n'aurait pas pu réfléchir à une mesure de compensation, mais pas une compensation sur la recette de l'État, on voit les effets de bord que ça peut avoir, mais une véritable compensation avec une recette complémentaire, autonome, et non pas aller pomper dans une poche pour compenser. Moi, à mon avis, c'est un peu l'erreur qu'on a pu commettre pendant des années. Puis enfin, on a vécu un précédent quinquennat où on avait une majorité, mais on a eu les crises sanitaires. Puis on a vécu 2 ans avec une majorité relative, avec beaucoup de mesures petits bras et pas de vraies réformes fiscales et autres. Et même dans les programmes à la fois présidentiels et législatifs, on n'a jamais débattu sur le fond d'une réforme de notre fiscalité, notamment du patrimoine et autres. Et on peut constater certaines dérives. Moi, je pense qu'il y a un chemin entre les deux. Vous évoquez le PLFR. Moi, j'étais d'accord avec vous sur la nécessité de faire un projet de loi de finances rectificative avec des mesures de recettes. Mais vous admettrez quand même, même si c'est des amendements que j'ai portés, notamment sur le rachat d'actions et sur les marges inframarginales, qu'il aurait peut-être fallu d'autres recettes un peu plus dynamiques pour pouvoir compenser. Voilà, je voudrais savoir un peu votre vision et ce bilan qu'on peut faire. Est-ce que les mesures d'allègement, on ne doit pas immédiatement réfléchir à l'effet systémique que ça peut avoir sur des recettes qu'il faudrait trouver pour éviter de déséquilibrer un budget qu'on constate aujourd'hui en partie ? Merci, Bruno Le Maire. Je ne voudrais pas qu'on aboutisse à une politique dans laquelle on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Moi, j'ai une ligne politique. Une fois encore, elle est contestée ici. C'est la démocratie. C'est très bien. C'est ce que j'aime dans nos débats, ce qui me manquera le plus sans doute à la Commission des finances. Mais je considère que nous devons baisser les impôts et garantir la stabilité fiscale. Et que la seule façon, évidemment, de financer cela, ce n'est pas de reprendre dans une autre poche, c'est d'avoir une dépense publique qui soit plus efficace, plus concentré et qui fasse des choix. Après, il y a un sujet. D'abord, je veux aussi remercier Jean-Paul Mattei pour la qualité du travail que nous avons eu ensemble. Bon, je pense qu'il y a un sujet qu'il faudra traiter dans les années qui viennent. Vous en êtes un spécialiste. Et là-dessus, je pense qu'il y a des réflexions structurelles à avoir. C'est celui du logement. C'est probablement le sujet sur lequel maintenant il faut qu'on accélère, y compris sur les aspects fiscaux, pour avoir des incitations à la construction, à la transmission et la réalisation de nouveaux logements qui soient beaucoup plus efficaces. Horizon et indépendant, François Jolivet. Il l'a mis. Non ? Je l'avais mis. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, comme vous, le groupe Horizon
et indépendants sont très attachés à la tenue des comptes publics et considèrent que le péril budgétaire est un des pires périls pour les générations futures, parce que ça signifie qu'on fait payer à nos enfants et petits-enfants notre apparence ou l'apparence de notre confort de vie. Ça implique, et je vois bien dans les réactions de certains groupes, il y a beaucoup d'idées, parfois quelques tons humoristiques avec une capacité à donner des leçons importantes, mais pour autant, comme nous sortons de campagne électorale, pas encore oublié, j'ai vu les programmes des uns et des autres, beaucoup de dépenses et pas souvent beaucoup de recettes annoncées. Toutefois, je voudrais vous dire que les Français, ils ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et ils se disent, quand ils entendent parler d'un retour de la France dans une procédure de déficit excessif, qu'ils vont continuer à en payer. Et cela, quelles que soient leurs conditions et quel que soit leur niveau social. Alors moi, ce qui m'inquiète, messieurs les ministres, c'est que depuis 2 années, on se plante sur nos recettes. Et pourtant, à Bercy, nous avons des fonctionnaires de grande qualité qui avaient l'habitude de travailler en disant progression du PIB égale progression des ressources fiscales. Il y avait une corrélation totale, c'est ce qu'on apprend à Sciences Po, c'est ce qu'on apprend en sciences économiques. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, manifestement. Je voudrais savoir si le grand ministère que vous avez animé, monsieur le ministre, depuis 7 ans, dispose ou va se doter de moyens prévisionnels plus performants au sens où ils correspondraient au temps du jour. Parce qu'en fait, j'imagine les ministères métiers, quand ils reçoivent leurs lettres de cadrage, quand ils se sont engagés dans des plans pluriannuels d'investissement de soutien sur les politiques, si chaque année ils perdent 1 milliard, 500 millions, 800 millions, ils auront beaucoup de mal à mener ces politiques qui sont tout aussi importantes que de mener des politiques financières. Et puis, merci d'avoir parlé du logement, monsieur le maire. Ça fait 4 ans que je dis la même chose et je pense que dans les recettes de TVA en moins, il doit y avoir 4 milliards de TVA immobilière. Merci. Bruno Le Maire. Je vais répondre à cette question sur notamment nos prévisions de recettes. C'est vrai qu'on a depuis 30 ans une parfaite corrélation entre l'évolution du PIB et de nos recettes. Et avec le Covid et ses impacts sur la croissance, notre consommation, notre production, ça a un peu déréglé d'une certaine manière les élasticités, donc notre capacité à anticiper correctement nos recettes. On l'a vu avec des élasticités supérieures à un tout de suite après le Covid, puis on l'a vu l'année dernière avec une élasticité qu'on avait surestimée, et là peut-être une élasticité qui est encore en dessous. Notre analyse et l'analyse des services de Bercy, c'est que sur longue période, ça reste vrai. Il n'y a pas de raison structurelle pour qu'il n'y ait pas une corrélation parfaite, je dirais, entre les recettes. Mais on voit bien qu'on est en sortie de crise. On a un modèle qui n'est pas stable d'une certaine manière et qui va progressivement se stabiliser. Et après, ce n'est pas uniquement pour des problèmes de recettes que l'on a donné des lettres plafonds qu'on a gelées auprès de ministères, c'est qu'on considère fondamentalement qu'il faut baisser la dépense publique pour baisser le déficit public. Et indépendamment des problèmes de prévision auxquels on a fait face, nous sommes convaincus qu'après 100 milliards de hausse de la dépense de l'État, il nous faut réduire de la dépense de l'État. Et il faut aussi, je réponds comme ça aussi à Eva Sass, je pense qu'il faut qu'on sorte complètement de l'idée selon laquelle c'est avec le budget le plus élevé qu'on fait la politique publique de meilleure qualité. Et si on continue à compter comme ça et à ne mobiliser et n'à évaluer nos politiques publiques qu'avec le nombre d'euros investis, je pense qu'on ne réussira pas le défi de la baisse du déficit public ni de l'amélioration de l'efficacité de nos politiques publiques. Parce que, Madame Sass, vous savez que, par exemple, on a baissé les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. On est un des pays les plus performants. On parlait d'inaction climatique. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat-là et qu'on évalue les politiques publiques différemment. Pour le groupe Liot, Michel Castellani. Oui, merci, Président. Monsieur le ministre, nous avons écouté attentivement notre position. Vous la connaissez, nous l'avons exprimée à bien des reprises. Elle n'est pas très originale, d'ailleurs. Nous pensons qu'il conviendrait, les choses étant ce qu'elles sont, de commencer par économiser là où c'est possible. Nous n'avons pas convaincu qu'il faille continuer à aider les ménages aisés. Je parle des ménages employeurs. Ni sur le crédit impôt recherche, dans beaucoup de cas, ni d'ailleurs sur le recours au bureau d'études.
là où il y a des hauts fonctionnaires qui sont parfaitement qualifiés. Il convient aussi et surtout de mieux répartir la charge de l'impôt en direction de l'économie financière, des GAFAM, des rachats d'actions. Nous en avons parlé à bien des reprises. Je voudrais rappeler, pour ne parler que de lui, que le CAC 40 a distribué l'an dernier 68 milliards de dividendes et 30 milliards de rachats d'actions qui échappent à l'impôt. Tout ça pour, évidemment, renforcer les moyens de soutien aux ménages les plus modestes et puis aussi en direction de l'aide à l'investissement qui est le garant de la croissance et de l'emploi. Mais vous pardonnerez aux députés de la Corse de vouloir changer de sujet. Moi, je voudrais rappeler que l'enveloppe de continuité territoriale, sujet que vous connaissez, n'a pas été revalorisée depuis 2009. Depuis 2009, ce qui pose évidemment un très gros problème budgétaire à la collectivité de Corse, mais qui aussi pénalise les entreprises et les citoyens de notre île. Moi, je voudrais attirer d'ores et déjà l'attention du Premier ministre et du futur ministre du Budget, que je ne connais pas, sur l'impérieuse nécessité de procéder à la revalorisation de cette enveloppe. Il ne s'agit pas simplement d'élargir l'aide, là. Il s'agit tout simplement d'une mise à niveau que la dérive des coûts liée à l'inflation impose. Mais sur le fond, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble anormal d'avoir à plaider ce genre de sujet chaque année, avoir à plaider, à vous tirer par la manche. Moi, je crois qu'il faudrait quand même aller dans ce pays davantage vers une autonomie fiscale des collectivités. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Monsieur le maire. Alors, vous savez que j'adore la Corse. Hein. Donc on a fait le maximum pour la Corse. On a augmenté l'enveloppe de continuité territoriale. Je pense que c'est important, d'ailleurs, pour le territoire corse. Mais vous voyez bien qu'on retombe toujours sur le même problème. C'est-à-dire qu'on nous fait toujours, ici, dans cette commission, des propositions de dépenses supplémentaires. Donc je recommande de suivre les idées, les propositions du rapporteur général, c'est-à-dire de réfléchir à des économies, et de préférence des économies structurelles qui s'inscrivent dans le long terme. C'est ça, après, qui nous permettra de retrouver des marges de manœuvre pour nos compatriotes. Ensuite, sur les collectivités locales, ça, c'est vraiment une conviction très forte chez moi. Si nous voulons rétablir les finances publiques de la nation, il faut que nous regardions chacune des dépenses. Le social, 50%, l'État, 30%. Et pour les collectivités territoriales, c'est pour ça que j'avais créé le Haut Conseil des finances publiques locales. C'est la plus grande liberté des collectivités territoriales qui nous permettra de rétablir nos finances publiques, notamment l'autonomie fiscale. Parce que si vous laissez les collectivités locales responsables, elles rendront compte devant nos concitoyens, et puis ils rééliront ou ne rééliront pas leurs responsables locaux. Mais moi, je ne vous cache pas que je suis le premier gêné quand on dit, tiens, on va augmenter le point d'indice, et puis après, je vois le maire de Feugarolles dans le Lot-et-Garonne, ou le maire de Ligarde dans le Gers, ou le maire de Danville dans mon ancien département de l'Eure, qui me dit, mais c'est quoi cette affaire ? Vous avez augmenté nos dépenses de fonctionnement. Je les comprends parfaitement, ces maires. Donc la bonne réponse pour moi, c'est de laisser aux collectivités locales beaucoup plus d'indépendance et notamment beaucoup plus d'autonomie fiscale. Emmanuel Morel pour le groupe GDR. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je peux comprendre que quand on s'apprête à quitter un poste qu'on occupe depuis longtemps, on ait tendance un peu à enjoliver son bilan, voire même à verser dans une forme d'autosatisfaction. Mais là, quand même, parfois, on a l'impression que vous exagérez carrément. Même sur la situation économique prétendument florissante de la France, la persistance du chômage de masse, c'est une réalité. Le nombre de faillites d'entreprises qui a dépassé la barre des 50 000 cette année, c'est une réalité. Le déficit commercial qui reste préoccupant, c'est une réalité. Bref, et c'est un peu pareil sur la situation financière. Vous nous dites, bon, là, on est dans une phase de retour à la normale, mais enfin, retour anormal quand on a le déficit qui s'aggrave à ce point, quand on a une distorsion quand même très préoccupante entre ce que vous annoncez et la réalité des chiffres. Hein, il n'y a pas que nous qui le disons. Je regardais la séquence avec le Sénat, là, y compris le monsieur Husson qui vient du même parti que le nouveau Premier ministre. Ça reste préoccupant. Et alors vous dites, mais c'est des aléas. Quand même, les aléas, ils ont bon dos. Hein. Il y a aussi des choix politiques que vous avez faits qui ont des conséquences concrètes. Et moi, j'ai trois remarques. Première remarque, est-ce que vous croyez vraiment qu'engager une polémique avec les collectivités locales aujourd'hui, quand elles sont confrontées à autant de besoins non satisfaits, à l'inflation,
au problème des coûts de l'énergie, vous croyez vraiment que c'est sain? Moi, je ne le crois pas. Et la vérité, comme M. de Courson, quand on regarde précisément dans les chiffres, on se rend compte que le taux d'endettement des collectivités locales, il n'a pas explosé. On n'est pas dans un dérapage inédit. Et à un moment, il va falloir confronter ce point de vue. Deuxième point, vous dites, on m'accuse de trop dépenser. Non, on vous reproche parfois de mal dépenser. Parce que la réalité, quand même, c'est que quand on additionne les baisses d'impôts pour les plus aisés, les titulaires de revenus financiers, la suppression de la CVAE, la suppression de la taxe d'habitation pour 20% des ménages les plus aisés, bah, ça fait quand même un manque à gagner de presque 50 milliards d'euros. C'est pas rien, c'est normal qu'on pose la question. Enfin, il y a quand même un éléphant dans un magasin de porcelaine dont on ne parle pas depuis ce début, c'est les aides aux entreprises. Est-ce qu'on peut avoir un vrai débat sur les aides aux entreprises? Je sais que M. Coquerel y tient particulièrement, mais même l'IGF commence à dire que, par exemple, crédit impôt recherche, c'est pas très efficace, ça coûte très cher et il y a des effets d'aubaine. Sur ces trois points, j'espère qu'on aura un débat fructueux. Merci. Messieurs les ministres. Alors, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas de faire preuve de quelque autosatisfaction que ce soit, c'est juste de montrer qu'économiquement, nous sommes dans la bonne direction. C'est le seul point sur lequel je serais en désaccord total avec vous. Quand on a le taux d'emploi le plus élevé en France depuis 45 ans, et ça, c'est un chiffre, c'est toujours rigolé, mais c'est une réalité. Je pense que c'est un motif de satisfaction. Et je pense que l'un des grands défis politiques, vous le dites vous-même, dans quelques jours, je ne serai plus ministre d'économie et des finances. Ça me donne aussi une grande liberté. Je pense que la grande responsabilité politique, c'est de poser des vrais sujets. Le vrai sujet aujourd'hui, ça n'est plus le chômage de masse dont nous sommes en train de nous débarrasser grâce à notre politique économique, c'est la rémunération, c'est le niveau de salaire et c'est l'écart entre le salaire net et le salaire brut. C'est ça le vrai sujet. Comment est-ce qu'on réduit l'écart entre le salaire net et le salaire brut? Et ça rejoint votre dernière remarque, parce que c'est un point d'accord, je préfère commencer par les points d'accord. Sur les aides aux entreprises, le vrai sujet, c'est les allègements de charges. C'est ça qu'il faut regarder. On le sait tous. Et donc, plutôt que d'éviter de nous lancer dans des polémiques qui sont complètement inutiles, essayons de regarder. Reconnaissons que le boulot a été fait sur l'emploi. Reconnaissons que le chômage baisse. Reconnaissons qu'il y a plus de croissance que dans les autres pays de la zone euro. Ce sont des faits. Et concentrons-nous sur les vraies difficultés qui restent à régler. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. La vraie difficulté, c'est que les gens sont tankés au SMIC. Parce que nos allègements de charges, à quoi est-ce qu'ils conduisent? C'est un effet de seuil très puissant, un effet couperet, qui fait que pour augmenter un salarié de 100 euros, on va lui en prendre 64, parce qu'il va perdre sa prime d'activité, parce qu'il va être éligible à l'IR, et que de l'autre côté, l'entreprise devra en payer plus de 390. Ce problème-là, il vous appartiendra de le régler. Mais déjà, si on peut se mettre d'accord pour se dire « c'est ça le vrai problème », on aura fait œuvre utile. Sur les collectivités locales, je vous rassure, il ne s'agit pas de faire preuve de quelque polémique que ce soit. Mais arrêtons de penser qu'on pourra rétablir les comptes publics en se disant « tout est de la faute de l'État ». Bien sûr que l'État a sa responsabilité. Et le reste, sur le social et sur les collectivités locales, qui représentent à L2 70% de la dépense, il n'y a rien à faire. Ça, pardon, mais ça ne marchera pas. Il faut que chacun prenne sa part juste et nécessaire des efforts. Juste une réflexion. Non, on n'est pas tous d'accord. On pense tous qu'il faut augmenter les salaires, mais certains pensent que c'est en allégeant les charges. D'autres pensent que ça ne doit pas être sur le dos des salaires socialisés, que nous, on appelle, qui est le nom que vous donnez aux charges. Géraud Verny, à droite. Oui. Tout d'abord, je voudrais répondre à M. Coquerel qui pense que les recettes publiques ont diminué. Entre 2017 et 2023, les recettes publiques ont augmenté de 25%. Donc elles sont loin d'avoir diminué. Monsieur le ministre, c'est votre dernière intervention et il est clair que vous laissez une situation budgétaire catastrophique. En 7 ans, la dette publique a explosé de 900 milliards d'euros, alors que le PIB n'a cru que de 530 milliards d'euros sur la même période. Baisse du chômage, dites-vous, mais pour 2 millions de travailleurs du privé, on génère 900 milliards de dettes supplémentaires, soit 430 000 euros par emploi du privé créé. Croissance plus forte que l'Allemagne, dites-vous. En 2017, l'Allemagne, c'est une dette de 70%. Aujourd'hui, c'est 64%. En France, c'est 98%. Aujourd'hui, c'est 113%. En gros,
pour créer 1 euro de croissance, vous dépensez 2 euros de dette. Vous générez 2 euros de dette. On préférerait donc tous une croissance nulle pour une réduction de la dette, puisque c'est un enrichissement des Français. Le déficit dépasse donc logiquement les 5%. Ce niveau est intenable. Nous ne pouvons plus vivre à crédit. Augmenter les recettes n'est pas une option. La France est déjà le pays le plus fiscalisé de l'OCDE. Nos entreprises et nos concitoyens sont étouffés. Ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses publiques et simplifier l'économie. La productivité chute. De 190 000 euros de PIB par salarié du privé en 2017, nous sommes tombés à 130 000 euros aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de l'hypertrophie des normes et des lourdeurs administratives qui freinent l'innovation et la croissance. Le prochain budget doit impérativement être plus équilibré que les 5,1% annoncés. C'est la seule voie, réduire les dépenses, libérer nos entreprises et cesser d'étrangler fiscalement ce pays. Nous n'avons plus le luxe de l'inaction. Notre situation me rappelle le film La haine de Kassovitz. Un homme se jette d'un immeuble en répétant « Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien ». Nous avons donc une responsabilité morale envers nos familles, nos amis et tous nos concitoyens. Chaque euro de dette supplémentaire, c'est un fardeau que nous leur laissons. C'est à nous de faire le choix de ne pas hypothéquer leur avenir. Il est temps d'agir pour eux, pour que la France retrouve le chemin de la prospérité sans sacrifier ceux qui nous sont chers. Merci. Merci. Je me vais interpeller, collègue Verny, je parlais en pourcentage du PIB. Là, vous allez vous apercevoir qu'en 2023, ce que je disais est tout à fait exact, donc pas en valeur brute. Bruno Le Maire. Je partage évidemment pas votre comparaison avec le film La haine, film que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, mais je n'ai pas du tout le sentiment que l'économie française soit en train de s'écraser et de couler jusqu'au moment où elle va s'écraser sur la dalle de je ne sais quelle cité. J'ai une vision un peu différente. Les deux points sur lesquels je vous rejoindrai, je suis en désaccord avec vous aussi sur la croissance nulle. C'est le choix politique que nous avons fait dans la deuxième période, qui est un choix que je revendique, qui est d'augmenter la dette pour protéger nos entreprises, nos savoir-faire, nos compétences. Et très franchement, enfin, je demande juste un peu d'honnêteté là-dessus. Quand vous aviez tout le secteur aéronautique qui était menacé, toutes les PME d'Occitanie, tout le secteur du transport qui était menacé, Renault qui était menacé, il ne fallait pas que je fasse de PGE ? Air France qui devait fermer et qui me demande 5 milliards, il fallait que je dise non ? Ah, d'accord, mais je suis désolé. À un moment donné, la responsabilité politique, c'est de décider. J'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions de protection et je revendique ces décisions. Parce que je pense que sinon, ça nous aurait conduit tout droit à une perte de compétences et à une crise non seulement économique, mais aussi sociale et politique. Les deux points sur lesquels je vous rejoins, c'est la simplification. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu porter cette loi de simplification qui me tient très à cœur et qui me semble absolument essentielle. Oui, nos entreprises ont besoin de beaucoup plus de simplicité. Il faut alléger les normes, alléger les règles. Et je le dis, ça vaut aussi pour les collectivités locales. Parce que j'en ai eu des maires qui m'ont appelé en me disant « Mais monsieur le maire, vous dites que nos dépenses sont trop élevées, mais en réalité, vous nous imposez tellement de normes, tellement de règles que ça a un coût qu'on n'arrive pas à suivre. » Ils ont raison. La simplicité, c'est de l'économie. Et l'autre point sur lequel je vous rejoins, c'est la productivité. Mais ce n'est pas uniquement le problème français. C'est un problème européen massif. La baisse de la productivité européenne depuis 20 ans par rapport aux États-Unis, faute de dépenses d'innovation, est probablement le problème le plus important à régler dans les années à venir. Merci. On va passer aux autres orateurs. Là, ce n'est pas plus d'une minute par intervention. Donc un conseil, n'essayez pas de poser plus d'une question, ça ne rentrera pas. Et une minute également pour répondre, sinon on n'y arrivera pas. Charles Sistens-Toul, ensemble. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser deux questions, mais elles vont être très brèves. La première, elle est plus pour le ministre des Comptes publics. Je voulais savoir ce que le ministre des Comptes publics pensait de la multiplication des lois de programmation sectorielle. Depuis 2017, j'en ai compté 7, donc type loi de programmation militaire, loi de programmation de la recherche, l'OPMI, etc. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la bonne tenue des comptes publics ? La question pour le ministre de l'Économie et des Finances, plus sur l'Europe. Aujourd'hui, Mario Draghi a rendu un rapport sur la compétitivité de l'économie européenne. Vous avez commencé à en parler à la fin de votre intervention précédente. Rapport alarmiste qui pointe notamment le fait que le revenu a augmenté deux fois plus aux États-Unis qu'en Union européenne depuis les années 2000. Et que, sauf à vouloir décrocher, l'Europe doit investir massivement dans la recherche,
alléger les normes, revoir les règles de la concurrence, émettre de nouvelles dettes communes de façon un peu plus développée. Quel est le regard que vous portez sur votre action européenne depuis 7 ans? Bruno Le Maire. Je réponds d'abord sur la première question. Sur les lois de programmation, la question qui m'était adressée. Moi, je considère que les lois de programmation, c'est une difficulté pour le ministre des Comptes publics, parce que ça rigidifie la dépense et les équations deviennent parfois compliquées à résoudre. Et d'ailleurs, ma conviction profonde, c'est que les années qui viennent, y compris dans l'exigence de redressement des comptes publics, nous amènera nécessairement à revoir une partie des lois de programmation. Bruno Le Maire. Oui, très brièvement, je rejoins entièrement ce que Mario Draghi a dit sur la croissance européenne. Nous avons été pendant 40 ans un grand continent de consommation et un marché de consommateurs. Depuis 7 ans, je me bats avec le président de la République pour faire du continent européen une grande puissance de production, d'innovation et j'ajouterais de protection. Parce que si on innove, si on investit dans l'innovation, si on investit dans les semi-conducteurs, dans les batteries électriques, dans les véhicules électriques, dans l'hydrogène, dans le nucléaire, si on met beaucoup d'argent sur la recherche, il faut aussi protéger nos frontières et protéger notre marché. Sébastien Delegu, LFI. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recettes pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié? Merci. Bruno Le Maire. J'ai pas entendu dans les propos de M. Tanguy une quelconque forme de complaisance ou de connivence avec moi. En revanche, ce que je crois profondément, Monsieur le député, c'est que vos propos outranciers, décalés, mensongers et faux ne font qu'alimenter le Rassemblement national. Le meilleur carburant du Rassemblement national, c'est la France insoumise. Bien, on pourrait débattre de cette affirmation. C'est pas nous qui avons soumis des noms de Premier ministre au Rassemblement national. Aurélien Lecoq. Ah, je réponds. Aurélien Lecoq. La Commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, Monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt deux fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence ? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites.
Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025, à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez 30 milliards pour 2025. Plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Merci. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères ? Merci. Un conseil pour les questions supplémentaires, essayez de vous centrer sur la question, parce que sinon, encore une fois, on n'y arrivera pas. Monsieur le ministre. Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise ? Parce que dans le fond, vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque-là sereinement dans un climat démocratique. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation. Charles Rodwell, pour Ensemble. Il n'est pas là. David Amiel est là. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je ne voudrais pas qu'on fasse croire que les auditions de la commission d'enquête qui avait commencé sur la dette publique concluaient à la responsabilité de la politique fiscale. Je retrouvais les propos de François Eckhall que vous citiez, oui. Monsieur le Président. Il disait « L'héritage de l'histoire de 50 ans de politique économique explique 50 à 70% de l'augmentation de la dette publique de fin 2016 à la fin 2023 ». Et l'OFCE, comme le CDE, rappelait d'ailleurs l'impact des crises. Mais pour en venir à la question, je voudrais revenir sur cette question des collectivités territoriales et des 16 milliards de dérapage des dépenses qui sont quand même égales à la somme des crédits mis en réserve, qui, et ça je le dis pour M. Tanguy, ne sont pas un trésor de famille que l'on dilapiderait, mais tout simplement des économies potentielles. Et donc cet effort supplémentaire réalisé par l'État pourrait servir exclusivement à la compensation des dérapages des collectivités. Alors j'entends avec surprise d'autres, notamment à gauche, nous dire qu'il faudrait restaurer la taxe d'habitation, qui était quand même un impôt particulièrement injuste, puisqu'il était élevé dans les communes pauvres et faible dans les communes riches, pas seulement à cause des bases et de leur vieillissement, mais aussi à cause de leur taux, qui était beaucoup plus élevé dans les communes les plus populaires. Et donc, je crois que ce serait l'inverse de la justice fiscale que de revenir à un impôt qui frappait les classes moyennes et les communes les plus pauvres. Ma question est donc simplement de savoir, pour 2025, quel instrument voyez-vous pour maîtriser les dépenses des collectivités locales ? Ok, merci. Commencez par la question, ce serait super. Je vous le dis à tous, hein. Ça va plus éviter. Monsieur Bruno Le Maire. Je vais répondre. D'abord, pour remercier David Amiel pour sa question, je ne répondrai pas sur qu'est-ce qu'on peut faire en 2025, parce que l'audition, elle s'arrête à 2024 pour ce qui me concerne, et je ne souhaite pas engager le gouvernement sur les dispositifs qui pourraient porter. Mais je crois que ce qui est certain, c'est que si on continue, y compris dans le débat politique, à dire il y a d'un côté les collectivités territoriales, de l'autre l'État, et que les collectivités territoriales, on ne peut pas les mettre autour de la table en disant « Vous devez participer, comme nous, au redressement des finances publiques », nous n'avancerons pas. Et c'est profondément populiste et démagogue que de tenir ce type de discours. Parce que la réalité, c'est que les collectivités territoriales, comme tout le monde, a bénéficié de toutes les protections de l'économie, des salaires, des associations, de leurs propres finances, et que le temps est venu de faire des économies et de redresser les finances publiques. Et c'est quand même pas terrible que de dire « Vous devez participer comme nous ». On leur a jamais demandé de baisser d'ailleurs leurs dépenses. On a dit il ne faut pas qu'elles augmentent trop vite. Sauf que c'est 7% de dépenses de fonctionnement. En dehors des dépenses du RSA, c'est 7%. C'est 13% sur les achats. C'est 6% sur la masse salariale. Ça ne peut pas, je termine, Monsieur le Président, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc il y aura nécessairement un débat sur le projet de loi de finances pour 2025 en disant quel type de mécanisme on met en place. On a arrêté les contrats de Cahors. Il n'y a aucun mécanisme coercitif. Et pour autant, et je termine, Monsieur le Président, on a les finances publiques en partage et l'État seul ne pourra pas prendre sur ses épaules toutes les économies qu'il y a à faire pour tenir la baisse du déficit public. Merci. Daniel Labaronne pour Ensemble. Daniel Labaronne. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous avons affronté ces dernières années des crises qui ont mis notre économie à rude épreuve. Je tiens à saluer votre action, Monsieur le Ministre de l'Économie. Sortie de la crise de la procédure pour déficit excessif, détermination face aux crises du Covid, des gilets jaunes, de l'inflation, et vous n'avez rien sacrifié aux acquis sociaux sans alourdir le fardeau fiscal.
fin du quoi qu'il en coûte, gel et annulation de crédit, fin du bouclier tarifaire, tech force sur la dépense publique. Ces mesures de sérieux budgétaire, nous vous les devons, monsieur le ministre de l'économie, et nous devons vous en remercier. Monsieur le ministre, où en est le projet que vous avez porté d'une imposition minimale sur les revenus les plus élevés au niveau européen afin de contribuer à la baisse du déficit public? Je vous remercie. Merci. Bruno Le Maire. C'est un combat qui devrait être mené par mon successeur, quel qu'il soit. C'est un combat auquel je crois profondément. C'est un combat qui nous a permis déjà d'enregistrer la taxation des gens du numérique, la taxation minimale des multinationales. Je le redis, je suis très favorable à ce que nous mettions en place au niveau de l'OCDE une taxation des plus grandes fortunes de la planète, qui aujourd'hui ont toutes sortes de mécanismes pour éviter de payer le même montant d'impôts que d'autres ménages moins fortunés. C'est un combat qui sera très difficile, très long, et qui ne peut être gagné que si toutes les forces politiques se mobilisent. Parce que quand il y a l'unité des forces politiques, elle est rare, sur un sujet international, ça donne à la voix de la France une puissance considérable. Je rappelle qu'en 2017, personne ne voulait de la taxation des gens du numérique, que le président Trump s'y était opposé frontalement. Nous y sommes arrivés. Personne ne voulait de la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, y compris en Europe. Nous nous sommes opposés frontalement. Nous avons gagné cette bataille. Aujourd'hui, nous avons un allié, c'est le Brésil, président du G20, un ministre des Finances totalement mobilisé. Le combat sera difficile. C'est l'honneur de la France de le mener et de le gagner. Merci. Jean-Pierre Bataille, Lyot, en visio. S'il est là. Il est là ? Non ? Bon, on essaie de le récupérer. Yael Ménage pour l'ORN. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors moi, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, surtout que mon collègue Jean-Philippe Tanguy a très bien dressé votre bilan catastrophique, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai une question un peu plus précise qui concerne les documents préparatoires du budget 2025 qui ont été élaborés par le gouvernement de Gabriel Attal. Dans les 7 missions de l'État, 7 missions de l'État qui voient leurs crédits gelés, dont un, celui des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. À l'heure où la recrudescence des actes antisémites se fait en France, il est, à mon sens, inconcevable que la France, qui tient dans les pays ayant le plus de justes parmi les nations, ne puisse avoir de budget mémoriel conséquent. Donc ma question est simple. Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce gel ? Et est-il possible que cette situation change, puisse changer ? Voilà, je vous remercie. Et vous voyez, le problème, c'est exactement le même que tout à l'heure. À la fois, vous dénoncez le bilan catastrophique sur les finances publiques, c'est votre droit. Mais vous ne cessez de proposer depuis des années des dépenses supplémentaires. Alors, ça va être la nationalisation des autoroutes, ça va être la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui me paraît à la fois profondément injuste et extraordinairement coûteux. Ça va être des remise en question de la réforme des retraites, et maintenant c'est le budget des anciens combattants. Donc le jour où vous proposerez des économies, votre discours sera un peu plus crédible. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Oui, merci et bonjour à tous. Chut. On a besoin de créer de la confiance entre l'État et les associations d'élus, et je ne crois pas que les propos de ces derniers jours y contribuent. Et quand je vous entends dire parler de déficit à propos des collectivités, jusqu'ici on parlait de besoin de financement. Alors c'est vrai, les dépenses de fonctionnement des collectivités vont augmenter en 2024, en raison notamment de la décision du gouvernement d'augmenter le point d'indice, et je le dis, c'était une très bonne chose, en raison aussi de l'inflation énergétique, en raison de la remontée des taux d'intérêt. Je pense qu'on peut dire que l'augmentation des dépenses de fonctionnement est tirée par le contexte économique et social. Ma première question, avez-vous chiffré l'augmentation prévisionnelle des dépenses contraintes ? Quant à la hausse de l'investissement local, c'est d'abord de l'activité sur tous nos territoires et donc des recettes supplémentaires. La première raison, c'est bien sûr le cycle électoral, mais merci. Peut-être y a-t-il aussi une réponse positive des collectivités aux injonctions de Bruxelles et de l'État de respecter la stratégie bas carbone ? Et ma deuxième question, ne faudrait-il pas isoler merci. Ces dépenses climat dans nos analyses ? Bruno Le Maire. Je vais répondre. Sur le deuxième point, c'est ce que nous avons fait, Madame la députée. C'est le budget vert des collectivités territoriales et même des établissements publics, des opérateurs qui n'étaient pas concernés par le budget vert. Maintenant, on peut isoler l'effort des collectivités sur la transition écologique, parce que plus que l'augmentation
des budgets, je crois que l'enjeu, c'est la réorientation de la dépense vers les objectifs climatiques. Et c'est ce que nous avons adopté dans le dernier PLF, la généralisation donc des outils climat, et je crois que c'était une belle avancée. Je crois qu'on l'a tous soutenu ici et je m'en réjouis. En parlant d'analyse, Madame la députée Pires-Bonne, le concept de déficit des collectivités territoriales, pas moi qui l'ai inventé. L'INSEE le tient à jour, l'OFGL le tient à jour, et parfois il est positif, parfois il est négatif. Il y avait un excédent ces dernières années qui est maintenant un déficit. Donc il n'y a pas de caractère polémique. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que quand ça dérape de plus de 15 milliards d'euros, ça a nécessairement des conséquences sur le déficit. Que l'on travaille ensemble en disant pourquoi il y a une telle dynamique de la dépense. Est-ce qu'on peut, je termine, Monsieur le Président, travailler comme l'évoquait Bruno Le Maire en disant il y a trop de normes qui pèsent sur des dépenses contraintes des collectivités. Mais si on ne regarde pas en face ce problème-là, alors nous échouerons collectivement à réduire le déficit public. Et je crois qu'au fond, on n'a pas intérêt, sur cet enjeu fondamental, à échouer là, maintenant, vu la situation des finances publiques qui est la nôtre. Sophie Pantel, socialiste. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. J'ai une intervention qui ira dans le même sens que ma collègue. Au départ, je voulais parler des chiffres, mais M. de Courson est revenu dessus. Moi, je voulais simplement rappeler que le coup de canif que vous avez mis une fois de plus à l'attention des collectivités en apportant également des réponses fausses, par exemple sur la taxe d'habitation, vous avez compensé la taxe foncière, mais vous avez prélevé la dynamique donc, qui était à destination, par exemple, des départements. Simplement vous dire que je trouve indécent les propos que vous avez pu tenir en expliquant que finalement il y avait un dérapage avec 15 milliards d'euros. Lorsque aujourd'hui, vous devez, l'État doit, ne serait-ce que pour les allocations individuelles de solidarité, 20 milliards au département, si je prends que cet exemple. La situation, elle n'est pas nouvelle. La situation, elle est due au fait qu'il n'y a plus de levier fiscal. Elle est due au fait d'un effet ciseau avec sans cesse des recettes négatives, et en particulier les DMTO. Rien n'est nouveau, ça a été dit, et vous avez été alerté par les associations et notamment l'ADF. Toujours plus de dépenses. Et puis les départements, si je prends que cet exemple, c'est la solidarité, les solidarités territoriales et sociales. Et tout à l'heure, vous êtes félicité de la réussite d'un certain nombre d'entreprises. Je termine vite, rapidement. Je voulais rappeler les 10 millions de pauvres. Et on ne peut pas se féliciter de réussite sans prendre en compte le pendant de l'autre côté. Et rappeler aussi que ces collectivités subissent de nombreux choix que vous avez mis en œuvre aussi bien pour les employeurs, que pour le Ségur, la prime feu et un certain nombre d'autres dépenses que vous nous avez imposées. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous aviez prévu, en fait, de rembourser, de payer la dette de l'État aux collectivités, en particulier aux départements ? Bruno Le Maire. Enfin, une fois encore, je le redis, il n'y a aucune mise en cause brutale ou d'accusation de qui que ce soit. Pas comme ça qu'on réglera le problème des finances publiques. Il y a des chiffres dont Jean-François Husson, rapporteur général du budget au Sénat, s'est lui-même alarmé en disant si effectivement on poursuit sur cette tendance-là, 2024, du point de vue des collectivités locales, ça va être une difficulté. Une difficulté majeure pour toutes nos finances publiques. Si on n'a pas le courage de regarder cela en face, on n'y arrivera pas. Après, une collectivité n'est pas une autre. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. J'ai été 10 ans élu local. C'est sûr que Nonancourt, c'est pas la région Île-de-France. Et pourtant, c'est traité de la même façon dans les chiffres. Ce n'est pas les mêmes difficultés. C'est sûr que les départements, croyez-moi, j'en vois des présidents de départements, ils sont confrontés effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, à une baisse des recettes des DMTO, parce qu'il y a moins de transactions immobilières, et une explosion des dépenses sociales, notamment liées à l'augmentation forte, on le sait, des jeunes qui sont sous la responsabilité des départements, des mineurs isolés. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec le représentant de la communauté d'Alsace qui me disait que les chiffres avaient doublé. Ah, c'est des budgets supplémentaires très lourds pour lui. Mais regardons ça, mais sans nier pour autant que dans d'autres collectivités, il va y avoir des dépenses de fonctionnement qui vont fortement augmenter, qui ne sont pas forcément justifiées. Ayons le courage d'aller poser un diagnostic. Merci. Juste, sinon, on n'aura pas de bonne réponse. Merci. Nicolas Rey. Pas là. Merci, monsieur. Merci. Pardon. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur le Président. Messieurs les ministres, bon, les chiffres sont là. Vous laissez des comptes publics
dégradée et vous et vos services présentez aujourd'hui des pistes d'économie qui sortent un peu dans la presse sur l'apprentissage, les aides aux entreprises que vous n'avez pas mises en œuvre. Ma question sera donc simple. Avez-vous quand même quelques regrets après 7 ans à la tête de Bercy? Reconnaissez-vous quelques erreurs qui pourraient peut-être servir à vos successeurs? Vous avez reconnu l'erreur de ne pas avoir fait adopter une loi de finances rectificative au printemps. Y a-t-il pas aussi des erreurs dans la prévision de nos requêtes? Sur la taxe d'habitation, vous vous félicitez d'avoir baissé un des impôts des Français, mais si c'est pour aboutir à creuser les déficits, ce n'est pas très responsable. Voilà, alors les mea culpa sont assez rares en politique, c'est dommage parce qu'ils sont souvent appréciés par les Français. Ils sont en effet une marque de courage et d'honnêteté. Donc, avez-vous quelques mea culpa à faire ce soir qui pourraient servir à vos successeurs? Merci. Bruno Le Maire sur le mea culpa. Vous savez, Nicolas Rey, il n'y a que ceux qui n'agissent pas, qui ne font aucune erreur. Donc, comme j'ai beaucoup agi au cours des 7 dernières années, j'ai sans doute fait beaucoup d'erreurs. Ça va avec. Vous parlez de la loi de finances rectificative. Moi, je n'ai qu'un conseil à donner à mon successeur. C'est de faire preuve de la plus grande fermeté. Quand on estime, comme ministre des Finances, qu'il y a une solution et qui est nécessaire, je l'ai fait sur la LFR, je pense qu'il y a des députés qui sont témoins du combat que j'ai pu livrer. Mais dans le fond, il faut le livrer jusqu'au bout, en sachant que rétablir les comptes publics est extraordinairement difficile. Dans un pays qui, pas depuis des années, pas depuis des décennies, mais depuis des siècles, est habitué à dépenser plus que ce qu'il gagne. C'est une réalité historique française. Ça fait partie de notre culture. Donc si on veut véritablement s'attacher au redressement des finances publiques, ce que je crois nécessaire, il faut s'interroger sur notre culture de la dépense. S'interroger sur ce lien qu'on fait systématiquement entre plus de dépenses publiques va donner plus de bonheur aux Français, ce que je ne crois pas. Ça va surtout donner plus d'impôts. Donc allons jusqu'au bout de ce questionnement. Et à ces conditions-là, nous arriverons, comme les autres pays européens, à rétablir nos finances publiques. Ouais. Plus de dépenses publiques, ça peut aussi donner plus de croissance que l'Allemagne. Christian Baptiste, pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, permettez-moi d'intervenir sur la question des lettres de cadrage budgétaire laissées sur les bureaux des différents ministères avant la nomination de Monsieur Barnier comme Premier ministre. Concernant le budget outre-mer, dont je suis le rapporteur, cette lettre de cadrage fait état d'une baisse de 4% des crédits de paiement. J'alerte vraiment et très solennellement sur le risque que ferait courir une telle diminution pour nos territoires ultramarins qui sont aujourd'hui dans des situations de vive tension. Des mobilisations contre la vie chère sont en cours et si le futur gouvernement ne prend pas à bras le corps ce sujet, les tensions sociales seront exacerbées. Nos territoires ont besoin d'un rattrapage économique et social. Diminuer les ressources serait un abandon définitif avec des conséquences désastreuses et potentiellement incontrôlables. Avez-vous conscience de la situation des territoires ultramarins pour oser faire de telles économies? Voilà ma question. Bruno Le Maire. Non, Thomas Cazenave. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit, je pense que vous faites référence au projet de lettres plafond pour 2025. Et encore une fois, je considère que les lettres plafond qui ont été envoyées par Gabriel Attal, aujourd'hui, elles sont nécessairement entre les mains du nouveau Premier ministre qui peut décider de les garder, de les modifier. Donc il m'est très difficile de commenter les lettres plafond. En revanche, on perçoit encore une fois un peu la difficulté qui est devant nous. Je ne vois pas comment on arrivera collectivement à faire des économies sans que ça et là, en fonction de réalités géographiques, en fonction d'appétence sectorielle par les parlementaires, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin dans l'exercice. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé un peu de défendre la réalisation d'économies dans les esquisses de PLF sur lesquelles on a travaillé. Et moi, je vous alerte sur la nécessité qu'il va falloir quand même doter le pays d'un budget avant la fin de l'année, et un budget qui nécessairement devra porter des économies, peut-être aussi des recettes d'ailleurs, et nous-mêmes pour 2024, on en portait. Mais c'est vrai que les discussions qui sont les nôtres, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un modus operandi pour partager la nécessité de faire des économies, quoi qu'il arrive. Merci. Christine Arrigui. Oui,
Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, alors, Monsieur le maire, vous avez dit « rien n'est possible sans des finances publiques bien tenues ». Or, Monsieur le ministre, ce n'est pas la question des finances bien tenues ou pas bien tenues, c'est que vous n'avez pas dépensé trop, vous n'avez pas dépensé pas assez, mais vous avez dépensé mal. Vous avez dépensé mal puisque vous n'avez pas conditionné vos dépenses à des conditions sociales et environnementales. Vous venez faire d'état de Airbus, Air France, vous n'avez pas conditionné à ces éléments-là. Et puis vous avez dépensé de façon opaque, 23-49-3, où vous avez découvert vous-même que certaines niches avaient été sorties, Airbnb par exemple, c'était même opaque pour vous. Et puis vous avez dépensé sans PLFR, pas de tiré à part, et pas de lettre plafond, dont on nous dit maintenant qu'elle n'existerait plus du tout. Alors là, c'est le pompon. Alors, de façon opaque, vous avez dépensé donc en nous disant qu'il fallait mettre en réserve encore davantage. Et donc, comme nous n'avons pas les tirés à part et comme nous n'avons pas les lettres plafond, je vous pose la question de quels ont été les critères qui vous ont permis d'augmenter votre réserve résultant du mouvement pour la recherche, pour la solidarité, pour un plan de financement de fraude fiscale qui était une des grandes orientations de Gabriel Attal. Pour la recherche spatiale, moins 100 millions d'euros, pour l'enseignement scolaire, merci. Pour la police nationale, pour la protection judiciaire de la jeunesse, mais malgré tout, sur les crédits des administrations placés auprès du Premier ministre, là, une réserve qui était de 1 290 000 qui a été ramenée à zéro. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner les éléments qui vous ont permis d'arbitrer ainsi ? Merci. Il faut éteindre votre micro. Non, pardon, mais sur les aides, ce que vous dites est faux. J'ai apporté un soutien à Air France en demandant, en échange de ce soutien financier, 50% de réduction des émissions de CO2. C'est faux sur Airbus. J'ai fixé des conditions de soutien aux PME qui ont été respectées. Air France est en voie d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. En tout cas, pardon, ce n'était pas votre remarque. Votre remarque était de dire qu'il n'y avait aucune condition, c'est faux. Voilà, permettez-moi juste de rétablir la vérité. Je dis, moi, je ne suis pas, je vends pas, je suis pas client de quoi que ce soit. Je dis simplement que nous avons fixé des conditions. Pour le reste, je ne vais pas commencer à regarder ligne par ligne. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce sera la responsabilité de la personne qui me succédera. Mais vous voyez bien que tout peut se justifier. Bien sûr qu'on peut vouloir plus de dépenses pour les armées, pour la police, pour la justice, pour la gendarmerie, pour les départements d'outre-mer, pour la Corse, pour la continuité territoriale, bien entendu. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et il appartiendra au prochain gouvernement de le faire. Mais c'est le prochain gouvernement qui fera ses choix, madame la députée. Je vais répondre, avec l'autorisation du président Coquerel, à la question de la vice-présidente Véronique Louwagie, qui nous avait posé cette question tout à l'heure. À laquelle... Sur les réserves aussi. C'est... Mais c'est précisément là-dessus qu'elle posait sa question, sur la manière dont on avait appliqué les 16,5, les 10 milliards de réserves supplémentaires qui portent la réserve à 16,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est une analyse ministère par ministère. On regarde la nature des dépenses. Il y a des dépenses contraintes, il y a des dépenses de guichet sur lesquelles des fois on ne peut pas geler la dépense. On regarde les sous-consommations, c'est-à-dire on regarde le rythme de consommation de la dépense par ministère. Et enfin, il peut y avoir aussi des mesures à prendre pour tenir ces objectifs fixés en matière de gel. Et tout ça, le gel doit nous permettre de faire quoi ? D'atteindre les cibles d'exécution qui ont été fixées ministère par ministère. Je me permets de vous répondre. Si vous avez compris, j'interromps ma réponse. Il me semblait que vous vouliez une précision. Et donc, c'est bien comme ça que ça a fonctionné, en tenant compte de la nature de la dépense, du rythme de consommation, et puis aussi, parfois, de mesures sous-jacentes à prendre. Daniel Simonet, pour le groupe écologiste. Daniel Simonet. Oui, messieurs les ministres démissionnaires, monsieur le président, collègues. Monsieur le maire, oui, gouverner, c'est choisir. Mais sauf que vous choisissez toujours de baisser, de couper dans les dépenses publiques, alors que le problème, ce sont les recettes. Alors, vous fustigez les dépenses des collectivités, hein, c'est monsieur le maire contre les maires, et votre préconisation, si j'ai bien compris, c'est leur accorder demain plus de liberté pour ne pas augmenter notamment le point d'indice des fonctionnaires, comme si c'était l'éboueur, l'assistance maternelle, l'animateur de centre de loisirs, les fonctionnaires catégorie C et B qui étaient le problème des collectivités, alors qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois.
Alors, le vrai sujet, ça n'est pas tant l'écart entre salaire net et brut, hein, qui vise, dans votre logique, à briser notre système de sécurité sociale, mais bien le coût du capital. Et j'aimerais, dans ma question, vous demander de revenir sur ce que vous a signalé le président de la Commission des finances, à savoir que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 20% du PIB en 2017 à 45% en 2022. Et que depuis 2017, eh bien, votre politique s'obstine à développer les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, au point que l'Inspection générale des finances, d'ailleurs, estime que les aides aux entreprises représentent un gisement de 3 à 10 milliards d'euros. Et finalement, combien coûte aux citoyens votre politique en faveur des plus riches, vu les coûts prévus, eh bien, pour l'écologie et nos services publics? Merci. Bruno Le Maire. Je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur chacun des éléments. Je persiste à expliquer que s'il n'y a pas une réduction de la dépense de l'État, des collectivités, de la sécurité sociale, globalement, vous ne rétablirez pas les finances publiques. Et tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Laisser entendre qu'il suffirait de taxer les plus riches, taxer les entreprises, augmenter les impôts ici ou là, ça permettra de rétablir les comptes publics, c'est un mensonge. Après, on peut vouloir faire bouger les curseurs, bien entendu. Ça, c'est le débat démocratique. Mais moi, ma responsabilité, une fois encore, au bout de 7 années d'expérience, après avoir rétabli les comptes en 2017, 2018, 2019, vous ne le ferez qu'en ayant et de la croissance et de la réduction de la dépense. Et il y a des dépenses, permettez-moi de vous le dire, sur lesquelles on peut légitimement s'interroger. Il y a un parlementaire tout à l'heure qui s'interrogeait sur l'apprentissage. C'est un bon sujet d'interrogation. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, mais est-ce qu'il faut maintenir des aides sur les bac plus 3, bac plus 5? C'est une question légitime. Sur les arrêts maladie, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le patron de l'ACTAM, il connaît bien le sujet. Il dit lui-même plus 5 milliards d'euros en 10 ans. Ça dérive totalement, les arrêts maladie. Ça vaut peut-être le coup de s'interroger sur cette dépense. Je pense que c'est en faisant ce travail-là, méticuleusement, consciencieusement, que nous parviendrons à rétablir nos finances publiques. Voilà, je pense que ça sera au cœur du prochain débat, et notamment se demander pourquoi le travail rend plus malade. Karim Benchek. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre démissionnaire, aujourd'hui, bon, l'heure est au bilan. Et aujourd'hui, notre diplomatie est en déshérence budgétaire et vos choix y ont fortement contribué. Or, vous le savez, dans une période où la diplomatie est attaquée de toutes parts, la France paie aussi le choix du démantèlement continu de notre réseau pour des raisons budgétaires. Aussi, quel bilan faites-vous de votre action alors que les défis diplomatiques n'ont jamais été aussi nombreux? Et je souhaite par ailleurs vous questionner sur un pan de ce budget que vous laissez dans un état particulièrement indigne car oublié, celui consacré aux Français établis hors de France. Quel bilan, là aussi, faites-vous de votre action pour les 2,5 millions de nos compatriotes établis hors de France, sachant que les déscolarisations faute de bourse explosent, que le modèle économique des instituts français est remis en cause faute de financement, que la Caisse des Français de l'étranger est désormais en grande difficulté budgétaire et que le réseau consulaire n'a plus les moyens de ses missions, selon les dires même de M. Hermelin, à qui votre gouvernement avait commandé un rapport. Merci. Bruno Le Maire. Je rappelle qu'avant de démissionner de la fonction publique, j'étais diplomate. Donc je suis attaché à la diplomatie française et en particulier à la diplomatie aux instituts français et aux lycées, qui sont à mon avis le meilleur réseau d'influence de la France à l'étranger. Mais lorsque nous avons décidé de réduire un certain nombre de crédits sur les affaires étrangères, nous nous sommes concentrés principalement sur l'aide publique au développement. Parce que j'estime qu'à partir du moment où on demande un effort à nos compatriotes pour réduire la dépense, il n'est pas illégitime de baisser l'aide publique au développement. Nous l'avons baissé, il est vrai, significativement, de 800 millions d'euros dans les dernières annulations de crédit. Bien, merci. On a terminé. Je voulais juste vous poser une petite question supplémentaire. J'ai entendu que vous estimiez que vous aviez laissé les choses suffisamment propres pour que le budget nous soit proposé le 1er octobre. Et j'ai également noté, Bruno Le Maire, que vous regrettiez, comme nous sommes plusieurs, qu'il n'y ait pas eu de PLFR. L'un propose d'annuler 7 milliards des 16 milliards qui ont été gelés, l'autre 15. Est-ce que... Si, 7 milliards, si, ça a été dit et redit. L'autre 15. Moi, ma question, ce n'est pas tant vos différences, c'est que est-ce que vous engagez que, soit sous la forme d'un PLFR, soit sous la forme d'un PLFG, l'Assemblée puisse être amenée à débattre
de ces annulations de crédit avant la fin de l'année. Enfin, en tout cas, non pas vous engager à ce que ce soit le cas, mais à ce que vous le recommandiez à votre successeur. Moi, je ne peux prendre que les engagements qui sont ceux d'un ministre qui gère les affaires courantes. Je ne reprends pas ce terme de ministre démissionnaire que tout le monde répand matin, midi et soir sur les ondes, qui ne me paraît pas approprié. Mais je gère les affaires courantes. Et nous avons la responsabilité avec Thomas Cazenave, d'une part, de permettre au Parlement de voter en temps et en heure le PLF 2025. Nous avons pris, avec Thomas Cazenave et avec le Premier ministre Gabriel Attal, toutes les décisions nécessaires pour que le PLF 2025 puisse être présenté le 1er octobre et pour que le Parlement puisse débattre dans les délais qui ont été fixés par la loi d'orientation des finances publiques. Libre au nouveau gouvernement de prendre les décisions qui lui appartiennent. Mais je le redis, je partirai du ministère de l'économie et des finances avec un calendrier qui pourrait être tenu. En deuxième lieu, sur la loi de finances rectificative, c'est ma recommandation. Elle ne vaut que la recommandation d'un ministre des finances qui ne sera plus en fonction d'ici quelques jours. Mais de mon expérience et de ce que nous avons connu au cours des derniers mois, je recommande vivement une loi de finances rectificative pour assurer et le débat et les recettes nécessaires. Merci. Merci, messieurs, de cette audition. Merci, monsieur le Président, et merci à toutes et à tous de la qualité de nos débats. Merci.